Quand la Bible ici bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Quand la Bible ici-bas, quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous rendre. Quand je veux ce qu'il veut, quand je veux ce en son nom je le veux. Simplement, simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire. Veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté? Le bonheur, la santé. Que ton seul but soit de le Saint. Qu'à l'esprit n'est donné avec la joie, la paix. Qu'à celui qui veut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire. Encore les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien, Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel, ils deviendront des trésors éternels. Simplement, simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, oh, nous pouvons dépasser, oui, nos incapacités, aux desseins éternels, nos autres, de nouveaux horizons, une vaste, oui, simplement, simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, oui, nous pouvons dépasser nos incapacités. Oui, au dessein éternel, nos eaux de nouveau, de nouveau. Une vaste moi, simplement, simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, à ses ordres soumis, à ses ordres sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut il nous ouvre, il fait tomber Jéris. Simplement, simplement, il faut croire. Encore à ses ordres, sans aucun compromis, sans aucun compromis. À
Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre, il nous ouvre. Il fait tomber Jérie. Simplement, simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Amen. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir suffisamment de foi pour croire et obéir à tout ce que tu nous donnes comme ordre. Et là, tu pourras nous ouvrir tous les horizons, les flots, même les murs les plus épais vont tomber. Parce que tu as dit, sinon la foi, même les montagnes se déplaceront à notre ordre. Et ce soir, nous voulons qu'il en soit ainsi. Aussi sommes-le de nous pour parler à chacun, pour instruire chacun et donner à chacun les moyens de marcher avec toi tous les jours de sa vie. Parle-nous simplement et donne des cœurs de disciples au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. J'y parlais ce matin tôt comme si c'était pour de très loin. Je me suis rendu compte que c'était juste à notre pied. On va parler un peu du jeûne ce soir-là. On va parler un peu seulement du jeûne. Je sais que vous êtes fatigués pour ceux qui ont pu aller. On va parler un peu du jeûne. Ma fille disait qu'avant qu'on ne jeûne, on lui devait sa prédication avant de jeûner. Madame, vous, votre chapeau. Nous, on ne regarde pas à vos cheveux. Hein. Alors, je voulais qu'on en parle un peu. Vous pouvez enregistrer, ça là, vous pouvez l'enregistrer hein, et le mettre en ligne. Quand ça sera le jour où j'ai dit, vous ne le mettez pas en ligne, je vous le dirai. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment faire beaucoup de commentaires. Même ça, je ne sais pas si après il faut le poster. Ceux qui ont écouté. Maintenant, tu peux mettre dans le réseau. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui se déconnectent au fur et à mesure qu'ils vont sur Facebook et puis sur YouTube. Ils vont, par moment, j'ai fait par moment exprès de faire en sorte que tout n'arrive pas. Depuis qu'on a commencé à mettre ça sur YouTube et Facebook, il y en a qui préfèrent aller sur Facebook et YouTube. Et le nombre descend. Je vois bien, on n'est pas de 70 à 74. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va parler un peu du jeûne. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez du jeûne à des hommes et à des femmes, même devant des médecins, on vous dira que vous êtes en train d'amener les gens à la mort. C'est pas vrai. Ne pas manger, c'est tuer les gens. Or, l'homme a besoin de manger et de boire pour vivre, pour être robuste, pour avoir beaucoup plus d'énergie, pour pouvoir mener des activités. Mais moi, je peux l'apporter des preuves des médecins qui ont expérimenté dans leur fonction la capacité du jeûne, les bienfaits du jeûne. On n'en parlera pas aujourd'hui. Nous parlerons de l'aspect purement spirituel du jeûne. Et pourquoi les chrétiens doivent jeûner. Même au milieu de nous, moi je vais vous dire, moi je connais des frères avec qui on a marché, ils n'ont jamais jeûné. Quand vous dites on va jeûner, ils voyagent. Donc on dit on va jeûner, ils voyagent. Ils partent en voyage. Nous au début quand on était étudiants même, alors qu'on jeûnait Badou 41 mois, Je ne vais pas dire leur nom. Ils sont venus me dire, mais vous êtes des pentecôtistes. Vous jeûnez comme des pentecôtistes. On les a regardés en arrière. On a compris qu'ils n'ont jamais lu les brochures de Frère Branham. Qu'ils ne connaissent même pas la vie de Frère Branham. Qu'ils n'ont pas vu que des gens qui ont assisté aux réunions de Frère Branham, comme les Thelos Bon, les Tommy X et tout,
ces grands hommes-là, après avoir assisté ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham, ils ont dit, mais eux ne peuvent pas continuer de prêcher l'évangile si Dieu ne fait pas la même chose avec eux. Si Dieu ne fait pas la même chose avec eux, là, ça, c'est pas la peine. Parce que beaucoup sont partis à l'étranger en tant que missionnaires, mais ils ont été mis en déroute. Et il y a un baptiste qui avait pour étudiant, un professeur d'université qui avait pour étudiant un musulman. Et le jour où le musulman devait rentrer, c'est lui qui l'accompagnait à l'aéroport. Et dans sa voiture, il lui dit, mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien? Il dit, c'est pour votre psychologie là. Nous, on en a beaucoup. On a beaucoup de psychologues chez nous. Si c'est votre psychologie là, nous, on en a. Donc, qu'est-ce que vous faites pour montrer que Jésus est ressuscité? Chez nous, si Mohamed ressuscite aujourd'hui, le monde entier saura. Mais vous, non, il n'y a rien du tout. Vous ne pouvez pas nous montrer que Jésus est ressuscité. Vous parlez, 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 mais vous ne pouvez pas montrer. Et quand il a fini de déposer ce jeune homme-là à l'aéroport, il est revenu directement chez Frère Branham. Il dit, voilà ce qui vient de lui arriver. Et là, il ne peut pas rentrer chez lui s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'un musulman l'a mis au défi de prouver ce qu'est sa foi. Or, le Seigneur a dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si cela ne t'accompagne pas, mais tu auras le défi à relever. Et alors, ça c'est très difficile pour toi. Très difficile. Puisque s'il a lu ce passage-là, il va te l'opposer. Il dit, mais tu dis que tu es croyant. Parce qu'il est écrit dans Marc 16, après le verset 15. Tu dis quoi? Il faut me prouver que ça là, ça s'accomplit aujourd'hui. Vous savez, il y a parmi les religieux, beaucoup de croyants disent que ces choses-là ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Mais il faut leur apporter le contraire de ce qu'ils disent. Il faut être capable de leur apporter ça. Être capable de dire quoi? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Mais il faut savoir que le matin, il disait, ce qu'on veut, ce n'est pas je crois. C'est que je suis certain, je sais. Je suis convaincu. J'ai une pleine conviction que Dieu va le faire. Il va le faire parce qu'il sait, je sais qu'il le fait. Et il peut le faire au moment où on est là, on parle, il peut le faire. Et c'est ça qui manque à beaucoup de croyants. Et le Seigneur donne un exemple simple. Hein. Je lisais ce passage avec vous. Ce jour-là où cet homme a son fils malade d'épilepsie, il est arrivé, le Seigneur n'était pas là, il l'a amené aux disciples. Ils ont passé tout le temps à crier, à sauter, à faire tout. Le diable n'a rien pas réagi. Quand le Seigneur est venu, il dit, mais voilà mon fils est dans tel état, je suis venu, mais tes disciples n'ont pas été capables de le guérir. Et je pense que ça a dû être lamentable pour les disciples de voir qu'ils pouvaient chanter en disant que même les démons sont soumis, mais là, le démon ne leur a pas été soumis. Oui. C'est pour cela que nous allons parler du jeûne pour que vous voyez pourquoi le croyant doit jeûner. Pourquoi ça doit faire partie de sa vie. Je dis bien de sa vie. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui et puis demain, bon, on attend qu'on ait des problèmes pour recommencer et puis bon, mais voilà. Je prends le cas des apôtres, je prends le cas de Paul, et puis vous connaissez la vie de Frère Branham. Non, ça je n'en parlerai pas. À vous de tirer les leçons que vous avez pu avoir en écoutant, en lisant les bouches de Frère Branham. Alors, on va lire dans Matthieu 9, je vais lire Matthieu 9 d'abord, si je ne me trompe pas. On prendra notre temps tranquillement, comme c'est un sujet assez important. Matthieu chapitre 9, verset 14 et verset 15. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. J'ai toujours voulu commencer par toujours ici, parce que c'est une grande leçon. Verset 14 dit, alors les disciples de Jean vint auprès de Jésus et dit, pourquoi nous, les disciples de Jean, Jean-Baptiste, nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Le mot pas, hein, n'a pas dit pas, il dit point. C'est depuis qu'on les connaît là, ils ne jeûnent pas. Ils sont avec toi une main seulement. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront.
Pour l'instant, il est physiquement avec eux. Il les protège, il les garde, il les conduit. Il leur donne des instructions, il les envoie. Quand il les envoie, il leur donne le pouvoir en même temps. Mais un jour, quand il ne sera pas là, alors ils veulent la nécessité de jeûner. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire pour eux. Faites pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour le moment, là, vous, là, ce n'est pas le temps, allez-y. Mais eux, un temps viendront où ils comprendront la nécessité de jeûner. Pour l'instant, ils sont avec eux. Ils n'ont pas besoin de s'affliger. Ils n'ont pas besoin de se meurtrir. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Je suis là pour eux. Maintenant, il n'est plus physiquement avec nous. Il est spirituellement avec nous. Alors, beaucoup diront, mais attends, aujourd'hui, on a le message, on a tout. Qu'est-ce qu'on a fait encore à se mortifier, à jeûner? Et ça, je suis certain. Non, puisque nous-mêmes, on l'a vécu. Hein. Nous-mêmes, on l'a vécu ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On l'a vécu. En notre temps, on a vécu. On nous a fait le reproche que nous, on jeûnait beaucoup. Donc, ce n'est pas nécessaire de jeûner. Ce n'est pas maintenant, au 21e siècle, là, qu'on va dire de jeûner. Puis les gens, il n'y a pas de personnes qui vont s'opposer à ça. Moi, je connais des personnes qui ont commencé à jeûner quand ils ont lu un de mes livres de jeûne. Ce livre, je l'ai depuis 1979. Le frère Fab dont je vous parle là, c'est sa femme qui me l'a offert en 79. On me l'a piqué. Peut-être que c'est pas le vrai mot. Un frère a pris ce livre. Il a lu, il a donné ça à quelqu'un d'autre. Il a lu, bon, c'est parti. J'ai mis 7 ans pour le trouver. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque d'un frère. Et puis il a dit, est-ce que tu peux voir ton livre? Il a dit oui. Puis j'ai pris, j'ai regardé. Il a dit, c'est pour qui ça? Il a dit, bon, j'ai retrouvé mon livre, je m'en vais avec. Il était suivi, mais mon nom est écrit dedans. T'as pas vu? Tu peux m'appeler pour dire, voilà, ton livre est ici, viens prendre ton livre. Donc, comprenez bien ici, le Seigneur oppose l'attitude. Regardez bien, il oppose l'attitude des disciples de Jean et des pharisiens. C'est devenu une habitude pour eux. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut jeûner là. Pour eux, c'est devenu une habitude. Quoi, on pourrait, c'est une routine même. Il n'y a pas de besoin de partir, il y a un besoin de partir. Non, c'est notre habitude, nous on doit jeûner, on jeûne. Et puis il faut savoir, le jeûne là, c'est quel type de jeûne? On en parlera. Quand on va commencer à parler des types de jeûne, on en parlera. C'est quel type de jeûne? Mais le Seigneur leur dit, ils vont jeûner. Comment ils se répulent là? Vous allez voir. Peut-être vous ne jeûnerez même pas comme eux. Ils vont jeûner même mieux que vous. Alors vous verrez bien. Et ils sauront quelle est l'utilité du jeûne. Maintenant, on va passer plus de temps dans un chapitre. On va aller prendre Isaïe 58. Là, on va passer plus de temps. Mais n'oubliez pas ce passage-là, qui n'est pas le premier ni le dernier. Ça, c'est l'élément de base pour vous dire, le Seigneur nous dit que nous devons jeûner. Maintenant qu'il n'est pas là, physiquement là, c'est notre devoir de jeûner. Si nous voulons résister, nous voulons vaincre, on va aller doucement, doucement. On verra pourquoi il faut jeûner. Donc, allons voir dans Isaïe 58. Je sais que beaucoup ont déjà lu ce passage. Qui a déjà lu ce passage-là? Alors, je vais voir qu'est-ce que vous avez. Vous allez m'apprendre beaucoup de choses, on dirait, non? Hein? Tu vas m'apprendre beaucoup de choses, non? Non, non, non. C'est vrai que ça fait longtemps. On le lit, vous êtes venus nous trouver, on le lit toujours jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. On va le lire ensemble. Je vais commencer par le verset 1, quoique ce n'est pas. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Voilà ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu soit près d'eux. Alors, il leur pose la question, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour qu'il soit près de vous? Chaque jour, vous me cherchez, vous voulez connaître mes voies, comme une nation qui pratique la justice. Alors vous ne pratiquez pas la justice. Comme si vous n'avez pas abandonné la loi de Dieu. Alors vous avez abandonné la loi de votre Dieu.
Et vous demandez des allées de justice. Comme Ésaïe 58, on est au verset 2. Il désire l'approche de Dieu. Ah oui. Il veut que Dieu soit à côté d'eux, soit toujours avec eux, pour qu'ils se soient rassurés. Parce que c'est des gens qui aiment faire la guerre. Hein. Vous savez bien que le peuple d'Israël a fait beaucoup la guerre, au temps de David, et puis de tous les rois qui sont passés. C'est le peuple qui, soit ils sont assujettis, soit c'est eux qui assujettis les autres. Quand ils croient au Seigneur, ils obéissent, les autres leur sont soumis. Mais quand ils désobéissent à la parole de Dieu, le Seigneur les livre à leurs ennemis pour les maltraiter un peu, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal fait pour revenir en arrière. Et voilà, que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Voilà la question qu'on pose au Seigneur. Seigneur, ça nous sert à quoi de jeûner si toi tu ne le vois pas? Si tu n'y as pas égard. Seigneur, aujourd'hui encore beaucoup peuvent se poser la question. Peut-être que jeûnent, ils ne voient pas le résultat, mais Seigneur, moi, je ne vais pas tout mon temps jeûner, je ne vois rien du tout. Donc, je perds mon temps. Et puis, l'incrédule qui est là-bas, dit, mon frère, comment, tu ne perds pas ton temps à jeûner. Il faut manger. Maintenant, Dieu, il faut manger et boire. Il n'y a pas de maigre là. De mortifier notre âme. Si tu n'y as point égard. Les mots sont forts. Hein. Se mortifier. Se donne la peine. Son âme souffre, son âme gémit, son âme soupire. Et puis toi, tu ne regardes même pas. Comme des gens qui ont fait ce qui est beau devant lui. Voilà le reproche qu'il le fait. Comme des gens qui se préoccupent même de ses lois. Ce qui veut dire en clair, frère, je vais vous donner une chose. Aujourd'hui, beaucoup de religieux n'ont pas la parole. Mais le jeûne est devenu moyen de commerce pour eux. Le jeûne est devenu un moyen de commerce pour eux. Ce qui fait que, vous allez voir, et c'est ça qui épate certaines personnes. Hein. Le gars, il arrive là au milieu de vous. Peut-être qu'il a passé tout le mois là. Il ne fait rien, hein. Il ne va pas au travail. Il travaille pas. Son travail, c'est bon. Il est serviteur de Dieu. On le nourrit, on l'habille, on le chérit. Donc, tout son temps, c'est de jeûner, prier, simplement pour que Dieu fasse des miracles dans sa vie. C'est tout ce qu'il a besoin. Aller au ciel, ce n'est pas ça son problème. Il faut que ça vienne et puis l'argent rentre. Et puis les gens viennent le consulter et tout. Moi, je connaissais un jeune, mais il est décédé maintenant. Je l'ai baptisé à 1h du matin, c'est le matin qu'il me l'avait envoyé. Sa vie, il avait tous nos ministres là. Tous nos ministres ivoiriens là. Il avait leur carte de visite. Et si tu vas voir où il habite, tu seras surpris. Mais la nuit, vos ministres, ça se cache pas là-bas. S'il arrive chez toi à la maison, il va te dépouiller toute ta maison. Si votre maison n'est pas propre là, il va vous la dépouiller tout de suite. C'est vrai que quand il rentre dans une église, tous les pasteurs, tous les autres tremblent. Parce qu'il sait qu'il va leur dire ce qu'ils font en secret. Mais quand il leur prenait le message, à 1h du matin, ils sont arrivés chez moi, il dit, bon, attends, demain matin, tu vas te baptiser. Il dit, non, non, non. Il dit, mais il est 1h du matin. Deux matins, si tu viens à 6h, tu viens, on va aller. Il dit, non, si lui, il ne se fait pas baptiser là, il ne va même pas la main pour manger. Donc, j'ai dû aller me changer, enlever mon pyjama, porter, prendre les habits, prendre les chaussures, prendre la voiture, aller, hop, on va chez Anmabou. On est parti à Anmabou, dans la lagune, là, à 1h du matin. Il y a beaucoup de personnes qui vont baptiser à 16h, là. Hein. Malheureusement, souvent, la plupart de ces gens du baptiser à 16h, là, souvent, ils ne restent pas. Je l'ai baptisé, puis on est arrivé à la maison. Maintenant, il dit, c'est maintenant qu'il va aller manger. Mais vous pensez qu'il est venu s'asseoir dans l'église? Il n'est jamais venu s'asseoir dans l'église. Il voulait seulement le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour se rassurer et puis aller continuer son chemin. Jusqu'à ce que les Américains viennent pour les former, pour être les faiseurs de miracles. C'est là qu'il a travaillé un mauvais esprit. Et puis après, il est venu, on a prié encore pour lui. Dieu l'a délivré. Mais il a continué son chemin. Il est mort, je crois, il doit avoir 5 ans, il est mort maintenant. Malheureusement, voilà. Mais c'est des gens qui passent leur temps à jeûner pour eux. Jeûner est un outil pour recevoir ce dont ils ont besoin devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour plaire au Seigneur. C'est un moyen de commerce, de se valoriser devant les autres.
pour faire craindre aux hommes. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une sœur qui est décédée. Avant de mourir, elle était rendue visite à une autre sœur. Non, elle est partie à une de ses amies qui appartient à une dénomination. Et elles étaient là quand le pasteur de cette femme est venu dans la maison. Quand elle a vu la sœur, elle a dit, je pensais que tu es venu pour celle qui vient chez moi, mais c'est pas vrai, c'est pour toi que je suis venu. Et il va lui donner les détails de notre église. Il n'a jamais mis pied dans notre église. Il va donner les détails de ceux qui prennent dans l'église. Il va dire, voilà, telle personne va se lever, telle personne va se lever, telle personne va se lever. Elle était subie, elle était là. Et puis, il a quand même fini de parler, il s'est levé, il est parti. Je peux vous bien dire ce qu'il a dit, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, comprenez que je vous donne ces éléments pour voir que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ici, ceux qui sont en face de nous, ici là, ils disent, mais à quoi ça nous sert de mortifier notre âme, s'il n'y a pas égard? Et le Seigneur leur répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Le jour où vous jeûnez là, ce sont vos penchants, ce n'est pas pour me plaire, hein. Ce n'est pas pour faire ma volonté, c'est ce qui vous plaît là, que vous cherchez. C'est ce que vous faites ce jour-là. Il va donner les détails. Vous traitez durement vos mercenaires. Alors que nous voulons servir Dieu et marcher avec lui. Et le jour où nous mettons, on va le lire tout à l'heure, je ne vais pas me précipiter. C'est pas que on va passer plus de temps sur ce chapitre-là. Parce qu'il contient un ensemble d'éléments qui sont vraiment nécessaires comme éléments de base pour aller. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc il y a une manière ce jour-là. Il y a quelque chose qui est requis ce jour-là. Quand je dis je jeûne là, il y a quelque chose qui est requis. C'est pour ça que quand vous voulez jeûner, soyez vraiment dans une très bonne disposition. Parce que sinon vous allez nuire à votre jeûne. Vous allez jeûner pendant tout le temps, vous n'allez rien recueillir. Vous n'allez rien voir par la suite. Vous aurez tout perdu. Et c'est important. C'est très important. Avant, comme on jeûnait là, on n'avait pas envie pour jeûner. On battait dans la brousse. Là, on aperçoit avec nous là-bas. Nous qui voulons jeûner, c'est nous qui partons. On reste dans la brousse, on passe. C'est une semaine, c'est 3 jours, c'est 4 jours. Bon. Maintenant, si c'est à la maison, on s'arrange pour que. On soit vraiment un peu plus isolé. On poursuit. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que vos voix, votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Sœur, vous voyez, non? Dieu prend plaisir au jeûne que mènent ses enfants. Je crois que c'est Victorine, ceux qui a connu une chose. Camille. Non, c'est lui, toi aussi, oui. Ça, tu es une vieille sœur dans l'église. Cette jeune fille qui était d'origine musulmane était tellement malade, était même en dépanneau, que quand elle a cru, je n'ai pas dû dire, ah, c'est moi, elle n'avait pas jeûné. Et je l'ai lu ce passage-là. J'ai juste lu ça. Elle dit, mais si ça doit plaire à Dieu, je vais essayer. Si ça doit plaire à Dieu, là, je vais essayer. Elle a fait 3 jours. Depuis ce jour, elle a jeûné jusqu'à ce que, pour les 6 mois de vie chrétienne, elle a jeûné tous les mois. Et la dernière veillée à laquelle elle a participé, c'est la première, la dernière à laquelle elle a participé, des sœurs, quand elle rendait son témoignage, des sœurs ont dit, mais ce n'est pas un être humain, c'est un ange qui était là, qui parlait. Toi, tu te souviens bien. C'est un ange. Ce qui veut dire que si nous voulons plaire à Dieu, là, je vais vous donner un exemple aussi. Votre mère, soeur, défunte et moi, une année, je ne vais pas vous dire l'année, on a passé du temps à jeûner à la maison ici. Elle et moi. Vraiment jeûner sur de long. On fait 3 jours, on arrête. On fait une journée, après on repense. 4 jours, on arrête. On fait 1, 2 jours, puis on recommence. On a fait ça pendant 1 mois, comme ça.
Et puis j'ai quatre jeunes qui me connaissent, qui sont venus me rendre visite. C'est moi-même qui suis parti ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert la porte, il y a un qui est sorti de la voiture. Il m'a regardé, mais venez. Il dit non. Ils vont, mais qu'est-ce qu'il y a? Venez, venez, venez. Il dit non. Et puis ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Vous pensez, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vu? Deux semaines après, il y a un qui est venu. J'ai été ouvrir la porte. Il m'a regardé et puis il a ri. Et puis il s'est approché, il est rentré. On a vu s'asseoir là où il était. Mais pourquoi la femme de nerf, quand vous avez vu, vous ne voulez pas rentrer? Il m'a regardé. Tu penses que c'est toi qui étais devant la porte? C'était pas toi qui étais devant la porte. Celui que nous on voyait là, c'était pas toi. Papa, c'est pas toi. Hein? C'était un an qui était arrivé devant la porte là-bas. C'était pas toi du tout. Tu penses que c'était toi, mais c'était pas toi. Ça, c'est pas pour la femme que je le sais. Parce qu'on a eu beaucoup de choses en marchant ainsi avec votre mère de feinte. Si j'ai décidé de parler de ça, je parle également par expérience. Je parle également par expérience. Nous, on nous en a parlé, on nous a dit ce que c'est, mais on a expérimenté. Et ça a toujours produit ses fruits. Ça aide toujours, ça fait grandir même dans la foi. Ça fait grandir dans la foi. Vous allez voir pourquoi. Si le Seigneur a dit aux disciples de le faire, que quand il va partir là, ça, ils le feront là. C'est parce que le Seigneur sait pourquoi. Lui-même, on va le lire plus tard. Vous avez vu qu'avant de faire de commencer son ministère, il a fait son jeûne de 40 jours. Hein. Et pourquoi il l'a fait? On verra pourquoi il l'a fait. Pour que nous comprenions pourquoi nous devons jeûner. Je poursuis. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Un homme rend humble son âme devant Dieu. Sœur, le jour où je jeûne, là, vous devez comprendre que vous partez devant Dieu avec humilité. Non pas seulement que vous êtes sauvé, mais là, vous vous humiliez devant lui. Vous brisez tous les tabous. Vous dites, Seigneur, me voici en tant qu'une morte de terre qui ne vaut rien du tout, mais je viens à toi. Parce que tu as dit que quand tu iras là, quand tu ne seras pas là, nous devons jeûner. Et je veux te plaire. Je viens à toi. Voilà pourquoi je viens. Humilier son âme. C'est vrai que ça demande qu'on ait une bonne disposition. Et même à la maison avec les enfants et tout le monde, si nos soeurs sont là, où elles doivent préparer à manger. Vous savez, il y a des soeurs, comme j'ai parlé hier matin, où j'ai parlé de la femme de frère Favre. Elle était stérile. Et qu'elle a décidé de jeûner, parce qu'elle savait que son mari jeûnait beaucoup. Mais ce n'est pas le jeûne de son mari qui lui a donné des enfants. C'est quand elle a décidé de jeûner que Dieu lui a parlé, que Dieu lui a porté la vision, qu'elle va avoir des enfants. Elle a su de ça, elle a fait les enfants correctement. Deux enfants. J'ai lu un livre également sur une indienne. J'en parlais ce matin, une indienne qui était aussi sur son mari, un américain, mais stérile. Et mais elle a voulu même pas, je ne peux pas vous donner l'aide. Lui et son mari sont de cache-cache. C'est-à-dire qu'elle fait ses bagages, elle veut sortir. Donc elle attend son mari, dort avant qu'elle puisse partir. Quand elle a fait son bagage, elle a gardé son mari, vient, lui aussi défait les bagages. Et puis, elle a rencontré le Seigneur, elle a connu le Seigneur, et comme elle n'a pas d'enfant, bon, elle sait qu'elle allait jeûner, que Dieu donne des enfants. Donc elle s'est mise à jeûner. Elle a jeûné, puis après, un jour elle fait. Elle est là, à la fin des jours de son jeûne, le Seigneur lui montre un tableau où il y a une maman aigle avec trois aiglons. Quand elle est sortie de l'aide à son mari, on va avoir des enfants. On va avoir trois enfants. Et c'est vrai, elle a eu ses trois enfants dans des situations très difficiles, pénibles, mais elle a eu les trois enfants que Dieu l'a montré. Mais ce n'est pas quand on se marie à la vie de jeûner. Mais ce n'est pas le jeûne de son mari là qui lui a donné la possibilité de. Je parle de la femme de femme. Et même cette femme, ce n'est pas la foi de son mari. C'est sa foi à elle. C'est pas quand vous regardez avec Abraham. C'est quand Dieu a parlé à Sarah. Ah. Ce n'est pas pour la première fois que j'en parle. Hein. Mais aujourd'hui, ça devient plus clair pour vous. C'est quand il a parlé à Sarah. C'est pas quand vous venez dans. Genèse 21, il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah.
Or, ce jour-là, c'est Abraham qui parlait. Il demandait à Abraham où est ta femme Sarah, et tout. Il dit non, je vais te visiter l'année prochaine. Là, je verrai. Et Sarah aura un fils. Et Sarah a ri, mais il a repris Sarah. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que vous imposez à Dieu? L'année prochaine, à cette époque-là, elle va enfanter. Cette fois-ci, ce n'est pas Abraham qui a parlé. Hein. C'est celui qui a fait la promesse à Abraham, c'est lui qui a parlé. Alors Sarah a compris que ce n'est pas un être humain simple qui est assis là. Ah, c'est quelqu'un qui connaît, qui le connaît mieux que quiconque. Et quand le temps est arrivé, Sarah a eu son enfant tranquillement. Le seul que Dieu lui a promis. Le seul, hein, ce n'est pas deux, trois. On va dire qu'il va se tromper. C'est pour ça que souvent les gens disent, moi j'ai eu une vision, je dois avoir trois enfants. Et puis quand tu en as cinq, tu poses la question, là, les deux autres viennent d'où? Non, frère, écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas dire une chose et ne pas l'accomplir littéralement. Quand Dieu dit une chose là, même si Dieu parle par vous, c'est ça qu'il va faire. Si c'est lui là, il va l'accomplir littéralement. Il ne va pas laisser un grain tomber. Il ne va pas le faire à moitié non plus. Et puis si tu dis Dieu a dit par ta bouche, et puis ça ne s'accomplit pas là. Là aussi, il faut faire attention. Mais beaucoup d'entre nous, on ne fait pas attention. Hein. On ne fait pas attention à beaucoup de choses. Au milieu de nous, on ne fait pas attention. Nous, on prend une garde. Vous savez, dans ce temps, il vous a dit, faites attention à l'application du 12 IG 2015. Moi, quand Thierry me l'a envoyé, je l'ai réécouté. J'ai dit, jeune homme, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Et maintenant, ça t'a pris. Toi-même, tu ne sais plus où tu es. Vous savez ce qu'il a dit ce jour-là? C'est ce jour-là, il a prêché, dit, si quelqu'un parle, ce soit comme il annonce les oracles de Dieu. J'ai prêché moi de dire, vous qui êtes dehors, approchez, écoutez, Dieu parle. Vous vous souvenez, non? J'ai dit, Dieu parle, venez. On est trop nombreux, on est beaucoup trop nombreux. Là, il y a beaucoup trop de voitures. Il faut que le Seigneur vienne pour vanner, pour chasser. Il y a trop de ramassés au milieu de nous. Et puis après, je me suis retourné, j'ai regardé Isaac et Matthias, j'ai dit, rien ne dit que c'est avec ces deux-là, mes deux frères-là, nous allons travailler de la même façon. De façon de concert jusque dans l'enlèvement. Et puis après, il a continué. Mais c'est suivant. Aujourd'hui, je le vois s'accomplir littéralement et je fais quoi? Je ne peux que me plier. Hein. C'était dit. Sans que je le veuille, c'était dit. C'était depuis 2015. Juillet 2015. Si vous voulez demander à Thierry, il va vous envoyer ça. Juillet 2015. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, cela accourt littéralement. Frère, prenons garde, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Comme je disais une année, j'ai dit, nous tous sommes ici, nous ne sommes pas convertis. Tu vas dire, Amen. Je dis, hey. Quand 2006 est arrivé, on doit nous chasser nous tous. Alors, on n'est pas d'accord. Mais on a tous dit qu'on n'est pas converti. Quand tu n'es pas converti, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Donc, revenons à nos tests. Il vous a dit qu'on va passer un peu plus de temps ici. Donc, on entend d'y aller doucement, doucement. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Dieu interroge. Hein. Quand vous prenez ce qui a été dit auparavant par rapport à ça, il dit le jeûne là, voilà ce que ça signifie. Quand vous comparez ce que vous faites par rapport à ça là, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Je dis à vous-même. Donc, vous ne pouvez pas me faire un procès que je n'écoute pas ce que vous demandez, que je ne vous suis pas, que je vous abandonne. Non. Je ne vous abandonne pas. C'est vous qui m'avez abandonné. C'est vous qui ne faites pas les choses comme je le demande. C'est tout. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous priver de manger, de boire. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Mais en faisant ça, celui-là aussi doit être fait. On doit mener les deux ensemble. Et ce n'est pas seulement le jour où on jeûne qu'on doit le faire. Ça doit être une vie pratique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qu'on lit maintenant là, c'est une vie de tous les jours. Alors quand tu pratiques tous les jours, seulement quand tu fais l'autre, ça vient accompagner, c'est tout.
Mais on doit mener les deux. Et c'est parce que le jour où on jeûne là, qu'on doit mener à fave, mielleux. Non, non, non. Si c'est ça notre fruit, ah, ça nous condamne. Parce que vous les reconnaissez à leurs fruits. Chaque arbre produit ses fruits. Et le Seigneur a dit ça depuis dans Genèse chapitre 1. Que la terre foisonne de tous les arbres, de tous les arbres fruitiers, et que chacun produit selon son espèce. C'est pas ça? Bon. Donc, alors, on nous reconnaîtra selon les fruits que nous portons. Et les fruits que nous portons là, c'est pas seulement une saison, c'est toutes les saisons. Quand les saisons arrivent que nous vont porter les fruits là qu'on ne les porte pas, et puis on a une saison où on les porte, il y a un problème. Donc, dans notre saison, c'est seulement on doit jeûner là, on va porter les fruits. Et puis les autres temps, en soi, on va jeûner 24 jours sur 24, 30 jours 30 dans le mois. Et 365 jours alors. Non, personne ne peut le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je poursuis. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors seulement, c'est à partir de ce moment seulement que ta lumière poindra comme l'aurore, que ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu es là du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. La fois dernière, il y a quelqu'un qui a posé une question à un frère. Il dit, mais tu n'as plus rien, tu as quelque chose depuis. C'est tout ce que tu as pour survivre. Et puis quelqu'un vient te demander. Tu vois la personne, vraiment, il a une nécessité, puis vient te demander. Est-ce que tu vas te détacher de ça pour le satisfaire ou tu fais quoi? Lui a dit, mais non, c'est pas. Lui, il va répondre, non, mais tu n'as pas besoin, tu n'as pas oublié de faire ça comme ça. Et puis, la personne, c'est vrai que la question est partie. Et puis, il est parti par sa vie, quand il a dit, tu vois, c'est ça. Il a dit, mais j'ai donné la mauvaise réponse alors. J'ai dit, oui, tu as. J'ai dit, moi, quand tu parlais que tu as donné cette réponse, il savait que ta réponse est mauvaise. Mais je ne voulais pas te parler, toi-même, tu as répondu. En même temps, oui, il peut arriver que... Et lui, ce n'est pas ce passage-là. Le passage qui lui est arrivé, tu sais, c'est la veuve qui a mis dans le tronc tout ce qu'elle a. Et le Seigneur dit, elle a plus donné que tous les autres. Les autres ont donné superflu, mais elle a donné sa subsistance. Oui, ici, le Seigneur nous invite à donner vraiment de notre subsistance. Je relis. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seraient comme le midi. Même tes ténèbres, tes moments les plus sombres là, ça c'est comme quand le soleil se lève. Les gens verront, pour toi c'est les moments les plus sombres, mais quelqu'un à côté va dire, quelqu'un disait, oh, ça c'est une langue politique. Oufou Boigné avait passé son temps à aider tous les pays environnants et quand Bédé est venu, il paraîtrait que Ouad avait demandé un peu d'argent à la Côte d'Ivoire. Bédé a dit, mais non, si on en cherche aujourd'hui, on en... Il dit, mais votre coucher est mieux que notre debout. Ce que tu dis, tu n'as pas là. Toi, tu es couché, mais nous-mêmes là, notre debout, mais ça ne vaut pas ton coucher. Bon. Donc, frère, vous voyez, non? Là où on pense que nous, on est complètement à terre, Il y en a qui sont dans le trou. Que Dieu nous aide à comprendre que nous devons tout faire sous la conduite du Saint-Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Ne lésinons pas, n'hésitons pas. Si dans nos cœurs, le Seigneur m'aide de faire une chose, faites-le simplement. Lui s'occupe du reste. C'est important de le savoir. Faites-le tout simplement. Et si... Vous voyez, on parle du jeûne, hein? Mais on voit tous les éléments dont on parle par ce jeûne-là. C'est pour ça que je voulais qu'on le lise simplement. Pour que quand on parle du jeûne, on ne voit pas seulement le fait de s'abstenir de manger. Non, ce n'est pas ça seulement.
Il y a donc beaucoup d'autres choses qui doivent accompagner ça qui est la vie que Dieu nous a donnée. La vie chrétienne, la culture nous a donnée. Et je poursuis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Là où il n'y a pas à manger, toi tu auras à manger. Là où rien ne peut pousser, quand tu vas faire planter, Dieu va faire pousser. Parce que Dieu sait que si tu donnes, tu vas donner aussi à quelqu'un. Tu vas partager. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, c'est vrai qu'on n'est pas compté par le sabbat, on n'est pas concerné par le sabbat, nous devons comprendre que pour nous tous les jours, ce sont les jours d'adoration. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel et en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Donc, comprenons que le Seigneur, dans ce livre-là, dans ce chapitre d'Ésaïe, nous montre simplement quoi que faire pour lui être agréable. La chose à laquelle il prend plaisir, là, qui nous intéresse, qui est le jeûne, il y a une manière de faire le jeûne. Il y a des conditions à remplir auparavant. Pour que quand vous partez, ce ne soit pas seulement une souffrance inutile. Vous sortez de là, il n'y a pas de résultat. Non, non, non. Vous le faites pour que Dieu puisse vous exaucer. Maintenant, je vais vous lire un passage. Et le reste de tout ce qu'on va dire, quoi qu'on aura beaucoup de passages bibliques, vous devez le garder avec le chapitre 9 qu'on a lu. Vous devez le garder, sachant que Ésaïe 58 là, on l'a vraiment bien accompli. Allons dans Matthieu 17. Matthieu 17, je prends le plaisir de lire avec verset 14. Après, on verra les passages qui nous concernent. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi cette fois-ci-là, on a échoué lamentablement? Qu'est-ce qui fait que nous avons échoué cette fois-ci? Un démon est un démon, non? Un démon est un démon. On a déjà chassé d'autres. Pourquoi cela particulièrement, on n'a pas été capable de chasser? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Retenez bien le mot incrédulité. Il dit c'est à cause de votre manque de foi. Ailleurs, c'était très clair, c'est à cause de votre manque de foi. Vous manquez de foi. Et il va le dire, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là,
et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas ce qui est écrit? Alors ici, le Seigneur dit, vous manquez de foi. Parce que si vous avez une foi qui est pure, une foi qui ne se mélange pas, comme le grain de sénévé, vous pouvez ordonner à n'importe quel obstacle. Parce qu'elle dit, vous dites à une montagne, à cette montagne, de se déplacer, ça dit quoi? Tout problème est un obstacle. C'est comme ça que mon frère Badou, moi, nous, on définit les problèmes. Tout problème est un gros mur qui est devant toi, que tu dois déplacer. Comprenez ça comme ça. Tout problème qui s'oppose à vous là, c'est un gros mur, c'est une grosse montagne. Et vous devez déplacer ce mur là. Vous ne pouvez pas le déplacer en prenant du biring, en prenant une machine. Non, ça va être votre foi. Vous devez l'écarter de votre chemin. Et si le Seigneur va nous donner le moyen d'y arriver. Quand il leur a fait le reproche, maintenant il va leur donner la raison. Et elle se transporterait. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon là. Donc il y a des catégories de démons. Le Seigneur est en train de leur dire, il y a des catégories de démons. Il y en a là, quand on va tu vas partir tout de suite, il va partir. Mais il y en a, si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière, c'est pas possible d'attaquer ça. Tu risques d'échouer et d'avoir honte. Donc, nos échecs viennent de ce que nous manquons de foi. Et le Seigneur donne la solution. Hein. D'abord, il dit vous manquez de foi. Alors, il va leur montrer comment il peut avoir la foi. Pour avoir cette sorte de foi-là, vous avez besoin de jeûner et de prier. Pour avoir cette sorte de foi, vous avez besoin de jeûner et de prier. Alors, qu'est-ce que fait le jeûne en ce moment-là? Quand on a rempli toutes les conditions dont on a parlé auparavant dans Ésaïe, qu'est-ce que fait le jeûne? Le jeûne fait quoi? Le jeûne sert à quoi? Premièrement, le jeûne, c'est l'ami fidèle de votre foi. C'est celui qui aide votre foi à grandir. Le jeûne aide la foi à grandir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lui-même, avant de commencer son ministère-là, il a jeûné. Regardez bien dans la Bible. Hein. Moïse a jeûné, Élie a jeûné. Élie a jeûné pendant 40 jours. Après avoir fini d'égorger les 400 prophètes de Baal, et qui fuyaient Jézabel, il a dû être nourri par un ange. Deux fois. Il lui a dit le chemin. J'ai deux passages, je peux vous les donner. Hein, si vous voulez, je vous donne le passage. Je crois que c'est dans 1 Roi. Je vous donne ça. Si vous voulez, je vous donne le passage. 1 Roi 19. Prenez 1 Roi 19, ça veut dire. Donc, c'est l'ami fidèle de la foi. Donc, on a vu le jeûne qui est un moyen de nous humilier dans la présence de Dieu. On va lire des exemples tout de suite pour que vous compreniez que le jeûne, là, c'est un moyen de nous humilier. Et quand nous humilions comme ça, Dieu répond toujours. Ça, vous allez vous rendre compte, partout dans la Bible où les gens sont humiliés devant Dieu, où ils ont eu recours au jeûne, le Seigneur est toujours intervenu. J'ai des passages, mais je vais vous les citer. Vous prenez il y en a qui aiment bien citer ça, hein, le jeûne d'Esther. Ça, les gens aiment bien ça, le jeûne, 3 jours de jeûne d'Esther. Mais ils n'ont jamais dit combien de jours pour la gêner. Le jeûne de Daniel. Mais lui aussi a jeûné. David aussi a jeûné. Hein. David n'a pas jeûné. David a jeûné. Quand son péché est Bathsheba, où il y a un enfant, et que Dieu voulait prendre son enfant, il a voulu s'humilier devant Dieu. Pour que cet enfant vive. Mais ce que Dieu a dit, il a dit. Hein. David n'a pas pu faire changer de sentiment. Dieu a décidé, il a pris. Par contre, ailleurs, on peut le lire. Mais gardez ce passage avant de venir. Allons voir dans Jonas. Allons voir dans Jonas, vous allez voir.
Si vous connaissez tout Jonas, Jonas avec Ninive. Après Amos, on a Abdias et puis on a Jonas. Jonas juste avant Miché. Je lirai le chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de Jonas, mais j'ai mis le chapitre 3. Jonas, Dieu l'a mené pour aller par la Ninive. Il n'a pas voulu, il a fui. Dieu l'a ramené quand même, encore à Ninive. Au chapitre 3, l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Dites-moi, si on prend Ninive par rapport à Abidjan, qui a déjà marché à Abidjan? Moi, j'ai marché d'Adjamé, le cinéma, comment on appelle ça qui était là? Non. Là où se trouve le bureau de la SOGIS, la SICOGI, là. Hein? Mirador, là. Il y a un cinéma là-bas. Du chat Marcori. Comment? Non. J'ai oublié le nom. C'est un vieux. Comment? Bracodi. Le cinéma qui est là-bas, ça ne s'appelle pas Bracodi. Si quelqu'un dit le nom, il y a ça. Il y avait un vieux cinéma là-bas. Bon, tous ceux aussi à ça, c'est des jeunes cinémas. Moi, j'ai marché de là-bas jusqu'à Makori. Jusqu'à Mabou. Mais ça, ça n'a pas fait une, matinée. Hein. Donc, si quelqu'un veut quitter Abobo, il peut marcher jusqu'à Port-Boué. En une journée et demie, il peut arriver à Port-Boué. Et puis, s'il arrive, il se place là, il va marcher par là. Vous voyez que souvent, les gens pensent que les villes d'avant ne sont pas assez grandes. Mais on dit que c'est une ville de 3 marches, de 3 jours de marche. 3 jours. Tu marches pendant 3 jours. Sans t'arrêter. Tu vois quand tu vas. 3 jours. C'est une grande ville. Donc il y a un grand nombre de peuples là-bas. Et Dieu doit les détruire. Et c'est ça que Jonas ne voulait pas aller pour parler aux gens. Dieu lui a obligé. Dieu connaissait leur cœur. Regardez ce qu'ils vont faire. Oh, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi, il a levé son manteau de règne, il a pris un sac, il s'est couvert, et puis la cendre qu'on a faite, il avait s'asseoir dedans, pour dire à Dieu que je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis que de la poussière, pardonne-moi. Ne regarde pas à ce que je suis, à ce que j'ai fait, pardonne à mon peuple, pardonne à chacun de nous. Il va continuer, maintenant il va donner des ordres. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Frère, voyez non? Un roi païen, quand il a entendu la parole de Dieu, la condamnation de sa vie, voilà ce qu'il a fait. Et on poursuit. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Et qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Il ne renoncera pas à son ardente colère. En sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Amen. Amen. Voilà un cas concret où les hommes sont humiliés, se sont abaissés devant le décret de Dieu de le détruire. Et Dieu leur a fait grâce.
pour dire combien de fois Dieu peut faire grâce. Quand il voit notre abaissement, notre affliction, il voit qu'on se jette à genoux, à ses pieds, pour dire, Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien. Va, viens mon aide, viens mon secours, aide-moi. Sœur, frère, avant que ne vous leviez, vous avez la réponse. Avant que ne vous leviez, vous avez la réponse. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Il y avait une chose, quand on était encore jeunes, on voulait se marier. Et puis, bon, il arrive dans les jeunes couples là, qu'il y a quelques petits soucis par moment. Et puis un jour, il y avait un petit souci. Et puis elle est malade, elle tombe malade. Je suis venu avant d'aller à l'école, j'ai dit Seigneur, non, elle n'était pas encore tombée malade. Je suis parti à l'école le matin, j'ai dit Seigneur, si ce qui est arrivé là, ce n'est pas ta volonté. Moi, je vais à l'école, hein, en moto, qu'elle tombe malade. Je suis parti au coup qui est arrivé, j'ai dit à midi, ma femme était en train de grelotter. C'est dents claquent. Vous m'allez là-bas à l'hôpital. Moi, je vais à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, c'est vrai là. Il faut, je vais à l'école à mon retour, que ce soit guéri. À mon retour, le soir, elle est guérie. Je ne vous parle devant Dieu. Elle est complètement rétablie. La maladie qu'elle a souffert toute la matinée, le soir, c'est parti. Moi, on ne m'a pas appris à imposer les mains. On ne m'a pas appris à imposer les mains. C'est sur elle. Elle là. Toutes les semaines, on doit l'amener à l'hôpital. Et je suis révolté, il dit, on ne va plus t'amener à l'hôpital cette fois-ci. Tu dois mourir, qu'on m'amène en prison, on va dire qu'il a tué sa femme. La nuit là, je lui ai posé les mains, je priais pour elle. Elle cognait le mur, elle revenait, elle s'est endormie. Jusqu'à ce qu'elle meure là. La maladie l'a disparu complètement. Bien-aimé frère, et mon Dieu, et faisons ce que Dieu nous dit de faire, c'est important. Ne plaisantons pas avec. Regardez ici. Voilà un pouvoir païen. Son peuple a mal agi. Dieu les aime. Il pourrait les détruire seulement. Mais Dieu les aime. Comparez ce peuple-là au peuple de Sodome et Gomorre. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas pire que ça? Là-bas, là, c'est des anges même que Dieu a envoyés. Au point où Lot est sorti, il leur a dit, pardonnez, ne faites pas de mal à ces étrangers-là. Je sais comment vous vivez, mes deux filles vierges, je vous les donne. Ça va pour tuer leurs filles? Ils lui ont dit, on n'a pas besoin de tes filles. Nous voulons connaître ces hommes-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était obligé. Abraham a négocié jusqu'à même le nom qu'Abraham a demandé. Dieu n'a pas trouvé ça là-bas. Dieu n'a pas trouvé. Le minimum qu'Abraham a demandé, Dieu n'a pas trouvé. Au point où même les gendres des autres filles de Lot ont pris leur beau père comme un plaisantin. Ils semblaient plaisanter. Et Dieu les a rasés tous. Si c'était repenti, Dieu aurait sauvé la vie. Mais ils ne sont pas repentis. Ninive s'est repenti. Mais Ninive a été détruit plus tard. Quand ce roi est parti, ils ont repris leur mauvaise manière de vivre là. Ce que le décret est resté. Là, vous le lisez dans Nahum. Vous lisez dans Nahum, vous allez voir que Ninive a été détruit complètement. Parce qu'à un moment donné, ils ont oublié ce que l'autre a fait. Frère, que Dieu nous aide. On parle du jeûne. Il faut qu'on parle du jeûne pour que si demain, quelqu'un veut marcher avec Dieu, avec le jeûne, il sache ce qu'il peut faire ou ce qu'elle peut faire. Comment le faire et plaire à Dieu. Je vous ai parlé des exemples. Frère, prenez les exemples de Frère Branham. C'est ma sa vie. Comment lui-même l'a jeûné et prié. Il a donné des exemples de plusieurs personnes qui ont jeûné, prié pour que Dieu leur vienne au secours dans les besoins qui étaient les leurs. Et Dieu les a exaucés. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu que nous savons? C'est vrai, le matin, hier, on a parlé du Dieu d'Abraham. Et que nous sommes la descendante du Dieu d'Abraham. Nous sommes la descendante d'Abraham. Donc, nous avons le même Dieu qu'Abraham. Et les promesses d'Abraham sont pour nous. Amen. Sur cette base-là, frère, si nous sommes convaincus que nous sommes des fils et des filles
issu de la promesse que Dieu a faite à la descendance d'Abraham, là, que nous y sommes. Bien-aimés, mettons dans la position que Dieu veut. Rien ne soit nous résister. Rien ne soit nous résister. Je sais de quoi je vous parle. Je parle par expérience. Vous allez faire des choses, on vous prend un peu mystique. Vous allez faire des choses là, on vous prend un peu mystique. Bon, vous qui êtes en ligne, qui allez écouter après là, excusez-moi, je vais dire une chose. Après le meeting jeune là, un jour j'étais à l'université, et puis j'avais besoin d'appeler un collègue. Mais il y avait tellement d'étudiants qu'il ne pouvait pas écrire son nom. C'est ce que j'ai fait. Et quand vous dites ce que j'ai fait, j'ai fait comme ça, Seigneur, appelle-le-moi. J'ai mis mon doigt comme ça, dit Seigneur, appelle-le-moi. Puis je suis arrivé là. Il ne peut plus marcher. Mon doigt était dans son œil. C'est un rose chrétien. Il fait comme ça. Et puis il dit, eh Badi, tu vas me tuer. J'ai dit, viens. Il dit, tu n'as pas dit que tu es rose chrétien. Moi, mon Dieu est plus fort. Il dit, viens à moi adorer Dieu, tu ne veux pas comprendre. Moi, mon Dieu là, il est plus fort que ton Dieu là. Toi, je lui ai dit de t'appeler, il t'a appelé. Viens. Il est mort aujourd'hui, il a été directeur de la dette publique. C'est Esso nommé Lely, un de ma promotion. Oh, un garçon assez costaud et bien. Je ne sais pas qu'il l'a eu. Il est mort prématurément. Mais c'est le nombre de jours là, c'est Dieu qui détermine. Mm-hmm. Vraiment, c'est lui qui le détermine. Donc, on ne peut pas présumer de ce qui va arriver à celui-ci ou à celui-là. Donc, il y a des choses que vous allez faire. On va au propre mystique. Pourtant, c'est ce qui est normal. C'est ça la vraie vie d'un croyant là. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas un homme normal. Vous êtes un homme anormal. Vous êtes un homme particulier. Vous avez le nez, les oreilles, les cheveux comme tout autre homme. Mais vous êtes un fils de Dieu. Amen. Vous êtes un petit Dieu. Ça, n'oublie pas qu'un vrai chrétien, c'est un petit Dieu. Je vais donner l'exemple de Paul où il est parti. Et puis quand il prêchait... Il y avait un qui était assis là, né, boiteux de naissance là. Je crois que c'est dans Actes 16 qu'on peut voir ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que je n'ai pas noté ça? Allons-y, on va regarder. Mais Actes 14 ou Actes 16, dans les deux passages. Soit c'est Actes 14, soit c'est Actes 16. Bon, là, si je me suis trompé de passage, c'est à 14. Tu sais où je suis en Romain et je cherche. J'étais dans l'île de Romain et je cherche à voir. Oh, c'est à 14. Voilà. Oui. Où on a voulu. Voilà. C'est à 14. On peut l'appeler verset 9. Hein. Il a pas dit verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler et Paul fixa les regards sur lui et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Paul regarde et en regardant la personne, il voit que la personne a la foi pour être guérie, pour obtenir sa guérison. Il ne peut pas le faire à tout le monde. Hein? C'est parce que Paul sait que celui-là, tel qu'il le regarde là, il a la foi pour qu'il soit guéri. Et dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un humain, parmi les humains, mais qui peut ordonner à un boiteux de naissance de se lever de marcher et automatiquement ça a lieu. Comment on le prend? On le prend pour un Dieu. C'est ce qui va se passer en bas. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. C'est vrai, c'est des dieux. C'est des dieux. L'Esprit de Dieu habitait en eux. Dieu fait exactement ce que le Seigneur Jésus aurait fait s'il était sur la terre. Maintenant, il est en eux par son esprit. Donc, il ne peut que faire ce que lui fait. Et Paul a bien vu, d'abord, on pourrait dire, Paul a eu une vision, sachant que cet homme-là, à la fois, pour être guéri. Et là, il a ordonné simplement, lève-toi,
Tiens-toi ferme tes pieds. Et au même instant, il s'est tenu debout et ses pieds sont venus fermes. Un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance. Quand on voulait qu'on les prenne, on les prend pour des dieux, c'est vraiment des dieux. Mais ce n'est pas les dieux comme ils pensent. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les hommes ont l'habitude d'adorer. Dès qu'ils voient un miracle comme celui-là, ils vont commencer à adorer. Pour eux, c'est le lieu d'adorer. C'est vrai. Voilà le papa de Hugues Derev, où il rit. Il se souvient de son petit frère. On a dit, il ne peut pas vivre qu'à lundi. Je crois que c'est mercredi que tu avais appelé, non? Oui, c'était jeudi. C'est mercredi, un jeudi. C'est mercredi. On disait que son petit frère ne peut pas vivre qu'à lundi. Et son père est avec lui. Et puis l'appeler, on a seulement prié ensemble. C'est le nid, il est parti à monter à l'école. Hein? Alors, quand j'ai fini de prier, quand son fils s'est relevé, lui, il appelle, le papa appelle frère, il dit, mais ton frère a beaucoup de pouvoir. Hein? Je n'ai pas de pouvoir. Fais-le pas de Dieu. Hein? Faut pas les laisser dans leur misère. Hein? Hugues, ils te connaissent, non? Mais il faut leur parler. Il faut leur dire, vous avez vu ce que Dieu fait. Ce n'est pas mon frère, c'est mon Dieu là qui a fait ça. Alors, venez à lui, vous êtes capable de faire la même chose s'il habite en vous. Si vous marchez avec lui là, vous êtes capable de faire la même chose. Parce que c'est lui qui le fait, ce n'est pas un homme qui fait. Même s'ils te connaissent là, tu es obligé de parler. Nous, on a parlé, nous, on a mis des années pour parler à nos parents, pour parler à nos parents avant qu'ils nous croient. Moi, je te dis, mon papa m'a donné, si tu es malade, si on n'a pas pris pour lui, il ne va pas à l'hôpital. Il a compris que ce n'est pas l'hôpital qui guérit. Si on n'a pas prié pour lui, il ne va pas à l'hôpital. Et la seule fois où il est tombé malade, on n'a pas prié pour lui avant qu'il n'aille à l'hôpital, il est mort. Le même, il a dit, au juste, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il est mort en même temps. De 22h à 6h, à 16h, il est décédé. Ce n'est pas maintenant où on a les portables là, où il doit appeler, puis moi, j'allais prier pour lui. Parce que lui, on prie pour lui, puis moi. Quand on prie pour lui, il sait que s'il va à l'hôpital, il va guérir. Et quand il va, il est guéri. Mais il sait que c'est quand on prie pour là que ça marche bien. Non, frère. Ici, vous allez voir la vie de Paul. On va parler de la vie de Paul après. Je prends le temps pour être beaucoup plus simple, plus précis, pour faire le contour des éléments, pour voir ce qui est arrivé. Voilà un homme. Et ça, frère, cela, c'est des choses, ça va être des choses sporadiques dans notre vie. Je ne vous dis pas de courir après les miracles. C'est pas ce que je veux dire. Mais si tu cours après quelque chose, alors ça va arriver comme ça. Mais c'est des choses qui sont avec toi. Quelque chose que tu possèdes. C'est toujours avec toi. C'est pas vrai? Dans les conditions normales, Dieu te permettra de le faire simplement. Pas parce que toi tu le veux. Dieu te permettra de le faire. Et je vais vous dire, depuis qu'on est à la maison là quand même, si on compte le nombre de guéris, c'est beaucoup. Hein? Ah oui, le nombre de guéris, c'est beaucoup. C'est vrai. Beaucoup de personnes qui ont eu la grâce de Dieu de sortir des situations difficiles, on peut les compter quand même. Hein? On peut les compter. Ça, c'est vrai. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est moi pour nous tous. C'est ce qui fait qu'on peut être ferme en disant, Seigneur, tu es avec nous. Parce que Dieu il n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça, il faut qu'on soit assez clair et précis là-dessus. Comme, je crois que j'en ai parlé, il y avait un frère dont la femme était dans une situation difficile à Boaké. Et puis, bon, comme il est en contact permanent avec Vittorie, il a appelé Vittorie, ah, ma foi, dans une situation difficile, on me demande de l'évacuer au CHR de Boaké. Au CHU de Boaké. C'est pas CHR, tu as raison. Au CHU de Boaké. Parce que là, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Et puis, elle a dit, si tu crois que papa est un serviteur de Dieu, n'appelle plus pour ta femme. Moi, je te montre le chemin. Si tu crois que c'est un serviteur de Dieu, il faut l'appeler. N'appelle plus ta femme. Elle va accoucher. Parce que là où tu t'es mal, là, la poche d'eau est rompue. L'enfant n'accouche pas. L'enfant risque de passer. Sinon, il faut qu'on fasse une césarienne pour la sauver. Et puis, sauver l'enfant peut-être aussi.
Si vous savez ce qui se passe à Boaké, je ne vais pas tout vous dire. Mais il a eu le courage, il m'a appelé. Et puis on a prié ensemble. Quelques instants après, sa femme a accouché. Elle a appelé Victorine. Elle a accouché. Elle a fait un garçon. Mais comme elle a bu le liquide amniotique, donc il l'a envoyé à la pédiatrie pour le garder. L'enfant, actuellement, il est bien. L'enfant est bien, c'est la maman qui est un peu affaiblie et tout. Mais quand je lui ai dit, non, il dit tout le monde va bien. Bon, tout le monde va bien. Bon, on a remercié le Seigneur. C'est tout à l'heure, il m'a dit, non, que la femme a besoin de sang. Il lui faut un peu de transfusion sanguine. Donc, il faut chercher un peu d'argent. Et, mais si tu peux donner, donne-lui ce que tu peux donner. Bon, on marie nos enfants, on les marie. Alors qu'ils n'ont pas de station, ils n'ont pas de station stable. Je vous disais, ça a couru, non? À quel moment Abraham a cherché une femme pour Isaac. 37 ans. Isaac avait 37 ans. Quand vous prenez la date où il est né, l'année où il est né, ta maman avait 90 ans. Elle est morte à 127 ans. Ça fait 37 ans. On a enterré sa maman. C'est après ça seulement que son père a décidé de chercher une femme pour lui. 37 ans. Aujourd'hui, tu dis à un frère, à un fils, sois tranquille. Je dis, papa, je deviens vieux. Hein. Tu vois, il y a quelques cheveux blancs qui sont ici. Papa, je deviens vieux. Hein. Je deviens vieux. Ah, jeune fille, alors c'est grave. Faut pas leur dire d'attendre. Hein? Justine, hein? Quand on dit d'attendre, c'est la mort, non? C'est pas la mort. Ah, d'accord. Donc, Jean-Marie, elle dit c'est pas la mort. Donc, tu es témoin. Je suis témoin. Tu es témoin. Il y a une autre que je regarde aussi, Sarah. Tu es aussi d'accord, non? Ah, d'accord. Mais tu parles pas, personne n'a entendu. Hein? Ah oui, bébé, ah, d'accord. Jean-Marie, je suis aussi témoin. Vous n'avez pas venu me dire si pépé, on en devient de vieilles filles. Hein? Maintenant, on dit il n'y a plus de filles même. Lui, il est là pour être témoin seulement. Ce n'est pas témoin de mariage. Hein? Témoin des actes posés. De leurs engagements. Oui. Je serai présent. Oui. Non, mais c'est vrai. Frère, aujourd'hui, là, on laisse la Bible complètement de côté et on veut vivre comme le monde. On veut faire comme le monde. Et pourtant, on dit on est croyant. Alors, revenons à la Bible. On va revenir dans le parc de jeunes là. Il y a un élément qui m'a frappé. J'ai dit, mais depuis ce message-là, je n'ai jamais vu accomplir ça. Jamais j'ai vu accomplir ça. Pourtant, c'est écrit dans le blanc. On a fait beaucoup de choses à côté, mais on n'a jamais appliqué ça comme la Bible dit de le faire. On va parler de ça. Je prends mon temps tranquillement pour vous montrer qu'on est obligé de revenir vraiment aux Écritures. L'écriture est donnée pour qu'on puisse vivre ça. Donc, on a vu déjà dans Jonas, comment est-ce que les hommes, ces hommes-là, se sont repentis, se sont humiliés, et Dieu les a exaucés totalement. Pas à moitié, hein, totalement. Même un roi païen qui prend un sac et s'assoit dans la cendre pour montrer à Dieu qu'il est mieux qu'une mort de terre simple, là, il ne vaut rien du tout, il ne connaît rien. Et dit à tout le peuple, même aux enfants, même aux bêtes, personne ne mange, personne ne boit. Comment Dieu ne va pas répondre à de telles personnes? Regardez bien comment les Juifs, le petit hébreu, le petit peuple hébreu se plaint de leur Dieu. Et voilà comment ceux qui ne sont pas hébreux là, à qui Dieu n'a pas parlé là, Dieu l'a appelé une seule fois, voilà. Tandis que les autres là, ils sont continuellement avec Dieu. Leurs pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils ont bu un breuvage spirituel qui les suivait. Ils ont mangé de la caille. Ils sont passés au travers de la mer rouge. Tout ça, c'est écrit pour eux, pour qu'ils s'en souviennent. Mais c'est le contraire qu'il faut. C'est comme nous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le message n'est pas parvenu. Mais dans le message, celui qui a apporté le message, comment il a vécu? Moi, ce que je dis aux jeunes, celui qui a apporté le message, il a vécu comment? Il doit être un modèle pour nous. Il doit être un modèle pour nous. Hein. Sa vie de foyer, sa vie professionnelle même. Parce que par un temps, il a travaillé tout en prêchant l'évangile. Hein. Pendant un temps, jusqu'à ce qu'il soit à plein temps pour être obligé de ne pas travailler. Un moment donné, comme il est parti, ça ne va pas, il a revenu encore travailler. Chercher l'argent pour régler les problèmes
financier qu'il avait avant de repartir. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire, c'est mieux on pouvait à mes besoins. L'apôtre Paul le dit, c'est mieux là on pouvait à ses besoins. Il a travaillé, c'est un faiseur de tentes. Il espère en quelqu'un qui fabrique les tentes. Donc, il a toujours fabriqué les tentes. Vous savez bien, en Orient, les gens aiment bien. Les grands types, c'est dans les tentes, ils aiment rester. Donc, l'apôtre Paul, certainement, il doit être d'avoir un expert dedans. Donc, il fait ses tentes, il les vend. Et puis, ça lui permet de voyager, d'aller rendre visite. S'il arrive, la FN veut l'aider, bon, il n'a pas de problème. Sinon, il a tout ce qu'il faut pour servir son Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui sont appelés par eux-mêmes ou bien les gens nous ont appelés. Ce n'est pas Dieu qui a appelé. Et tu ne peux pas compter sur Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Et nous, le frère Fabien nous a appelé. Moi, excusez-moi de citer vraiment ce type. Permettez-moi. Il a dit, il y a trois types de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui s'appellent eux-mêmes. Tu t'appelles eux-mêmes. Toi-même, tu t'as appelé, non. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour vivre. Avant de partir là, il faut faire ton champ de maïs. Nous, on fait champ de manioc et de bananes, non. Tu fais ton champ d'igname, ton champ de manioc, ton champ de maïs. Tu vois que quand tu viens dans ton champ, tu prends, tu manges. Mm-hmm. Tu nourris ta famille. Tu ne demandes pas quoi que ce soit à quelqu'un. Parce que tu viens du serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé. Mm-hmm. Non, il faut vivre de ce que tu produis toi-même. Mm-hmm. Maintenant, il y en a que les hommes appellent. Ceux que les hommes appellent là. Quand vous appelez quelqu'un pour qu'il vous serve, vous devez vous apprêter à le servir aussi. À lui donner ce dont il a besoin pour vivre. C'est vous qui l'avez appelé. Et moi, je l'ai vécu avec le frère T du Ghana. C'était un douanier. Quand l'église n'allait pas du tout, on lui a dit, frère, laisse ton travail. Viens te prier. Moi, j'ai travaillé pour ma famille. Non, tu viens. Ok, quand il est arrivé, l'église a commencé à se stabiliser. Ils ont construit une maison. Il a mis le nom de sa famille dessus, tranquille. Il a mis le nom de sa famille dessus. S'il n'avait pas fait ça, dans le temps, ils allaient le chasser. Parce qu'à un moment donné, les gens qui sont partis le chercher là, ils se sont coalisés et ils sont mis contre lui. Ah oui? Ils sont coalisés, ils sont mis contre lui. Pour le chasser. Donc, comme il n'a pas réussi, d'abord, un, il avait les papiers du terrain là, en son nom, et la maison au nom de sa famille. Et il était sécurisé dans sa maison tranquille. Deux, ils n'ont pas réussi à prendre l'église, ils ont divisé l'église en deux. Ils sont partis avec une moitié, ils ont gagné, une moitié. Mais ça, c'est les gens qui t'ont appelé. Le jour où ils vont te chasser. Maintenant, il y en a que Dieu appelle. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé, il faut compter sur Dieu pour vivre et le servir. C'est le type de Paul là. C'est le type de Pierre. C'est le type de frère Branham là. C'est Dieu qui l'a appelé pour faire son travail, comme frère Franck. Frère Franck, il avait une bonne situation au Canada. Il a dû abandonner ça pour retourner en Allemagne avec le message. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Dieu ne peut que prendre soin de lui. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aime pas imiter ces modèles-là. On le voit, mais on ne veut pas imiter. Malheureusement. Puisque nous sommes comme des vampires. On est là pour sucer. L'âme des gens ne nous intéresse pas. Ils vont essayer de voir en enfer, ça ne nous intéresse pas. Nous, si on est bien nourris, c'est tout. Oui. Si on est bien nourris, c'est essentiel. Hein. Le reste, on s'en fout. Mais que Dieu nous aide. Amen. Afin que et nos âmes, et les âmes de nos frères et de nos sœurs, nous importent beaucoup. Pour que Dieu nous donne de pouvoir les aider à faire sa volonté, à marcher avec lui, à lui plaire en toutes choses. Parce que le plus important, bien aimé, la terre là, beaucoup sont passés là, ils ont laissé. On est venu trouver, non? Ils n'ont rien emporté de la terre. Rien. Même quand tu enterres dans du marbre, dans quoi que ce soit, tu ne vas avec rien. On peut mettre plein d'argent. C'est dans le secret là. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens partaient, comment on appelle ça, casser les tombes. Il y a le thème qu'on utilise, profaner les tombes. Ils partaient profaner les tombes, on casse les tombes là, on met le corps de quelque part, on prend tous les pains, on prend tout ce qui est dedans, on ramasse, on s'en vend. C'est pas se retrouve sur le marché.
On va acheter ça, il faut encore acheter à d'autres. On va voir la cible. On manipule tout, c'est pas une action sur le marché, vous savez pas d'où ça vient. Avant, on mettait les couronnes là-dessus, les tomes, non? Maintenant, on est obligé de les mettre en même temps dans la tombe. Parce que quand tu laisses ça, les gens viennent arrêter, ils enlèvent l'écriture, ils mettent autre chose, tout ça, ils vont voir. Comment l'homme est devenu méchant. Donc maintenant, on est obligé de construire des maisons directement pour tous les corps. Parce que si tu veux quelque chose de bon dedans, pour la personne, pour conserver ce qu'elle est au moins un souvenir là, tu es obligé de barricader tout, hein, toute la tombe. J'étais avec Dara qui fait notre tombe là, une fois j'ai dit bon, comme les gens sont en train de chercher, casser, marcher sur les trucs, bon, on va barricader un peu. Donc il m'a envoyé là, à Williamsville, on a été regarder, il m'a monté une tombe, ça coûtait 150 millions de francs CFA. Pour deux corps, monsieur, madame. Vous savez ce qu'ils sont? Ils sont francs-maçons. Et le mari était le président. Et lui, il est mort. Avant de mourir, là, il a fait sa tombe là. Il a fait sa pyramide. J'ai été voir, hein. Je peux vous prendre. Je vais vous montrer. C'est pas on dit. Moi, mais j'ai été voir. Il dit ça là. C'est 150 millions. Le gars qui a construit est venu de la France. Pour venir construire. Tout était importé. Tout. La femme vit. L'homme est décédé. Mais la tombe, il y en a deux. La tombe de la femme aussi est là. Et elle vient, je crois, trois fois dans l'année, elle paye des gens, trois fois dans l'année, elle vient entretenir la tombe. 150 millions de francs CFA. Donc, quand nous avons construit l'église, quand j'étais regardé, j'ai dit, c'est une folie. La pyramide, elle, ça, il y a, c'est comme ça, le mur est comme ça, non? Dedans est creux. Tout est carrelé, mais dedans est creux. C'est monté comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça. Il m'a dit ça, c'est 105 millions. Tu dis quoi? Il dit, c'est 105 millions. Il n'y a que des os dedans. Des os qui ont blanchi. Là même, en train de souffrir quelque part là-bas. Et le lieu, c'est 90 ans. Après 90 ans, on va venir casser, on va enlever. Après 90 ans, si vous ne venez pas renouveler là, si on ne veut pas renouveler encore 90 ans, on casse, on enlève tout. Tout ça, on va démonter, tout ça, on casse tout, allez. Le corps, on s'est jeté quelque part. Elle va trouver un corps. Après 90 ans, on va trouver encore des os. On va trouver quelques morceaux de... Voilà, c'est ce que l'homme est. Mais on est vanité. On ne sait pas s'humilier. On ne sait pas s'abaisser devant le Seigneur. On est sous nos ergots. Que Dieu nous aide. Donc, revenons à notre sujet. Ici, vous avez vu ce que l'apôtre Paul a fait. Au point où il paraît être des hommes extraordinaires. Des dieux sont descendus sous forme d'hommes au milieu d'eux. Oui, c'est vrai, c'est des dieux. Parce que le Seigneur a dit que ceux à qui la parole vient là, on les appelle des petits dieux. On appelle des dieux. C'est pas ça? Et lui qui est fils de Dieu, quand il dit qu'il est fils de Dieu, on dit qu'il blasphème. Alors que dans la parole, dans cet amant, on a dit que les prophètes sont des dieux. Parce que la parole de Dieu leur venait. Et à nous également aujourd'hui, frères, nous qui sommes déjà parvenus à la fin des temps, qui sommes à la fin des siècles, nous devons savoir que vraiment, nous devons avoir la même nature que celui qui est notre époux. Nous devons être unis maintenant à lui. Parce que ce n'est pas possible d'être enlevé. C'est son corps qui vient chercher. Il va dans son corps. Il va dans son corps, il faut avoir le même esprit que lui. Et ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. On ne peut pas faire autrement. Ou bien tu es dans le corps, tu n'es pas dans le corps, tu n'es pas dans le corps, il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas voir ça, c'est maintenant. C'est maintenant que tu es vivant là, que tu dois avoir l'esprit de Dieu. Et vous êtes dans le corps de Christ. Pour que quand il vient chercher son corps, écoute, tu sois avec. Autrement là, tu vas beau chanter, tu vas beau crier, tu vas beau danser, tu vas beau parler. Ça ne produira rien du tout. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin des hommes et des femmes qui sont à l'image de Christ. Amen. Nous ne sommes pas du jeune là. C'est l'un des éléments pour nous dire que nous devons être semblables au Seigneur. Vous verrez bien. Regardez, je vais précipiter un peu. Pourquoi le mouvement pentecôtiste est né? Comment c'est né?
C'est tout simple. Hein. De 1906, là, c'est tout simple. Déjà, on dit, quand ils font l'histoire, quand les luthériens sont venus, ils disent, le juif vient par la foi. Quand les Wesleyens sont venus, ils disent, mais oui, c'est vrai. On vit par la foi, mais la vie des apôtres vit avec sainteté. La sainteté, on dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc, il faut une vie de sainteté. Donc, les deux conditions sont remplies. Donc, justifié, sanctifié. Quand ils voient cette matin, au temps d'apôtres, il y avait des miracles qui se passaient. Les gens parlaient en langue, les gens guérissaient et tout. Mais nous, là, dans nos églises, c'est sanctification, sanctification, sanctification. Ils ont mis à chiche la fin de Dieu. Je n'ai prié. Ils ont dit la Bible. Faut je n'ai prié. Comment ça, je n'ai prié. Je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. Et puis un soir là, bam. Voilà. L'Esprit de Dieu a été donné. Le mot est né. On les appelle les pentecôtistes. Parce qu'on se rend compte que c'est passé à la Pentecôte là. C'est la même chose qui s'est produit. C'est vrai, on l'appelle les pentecôtistes. Mais ce sont les gens qui sont consacrés parce qu'ils veulent avoir la même nature que ceux qui étaient au premier âge. Et nous qui avons reçu, non seulement on a l'histoire de ça, et on a la parole véritable, que nous ne devons pas nous être en tant que fils et filles de Dieu, à la gloire de Dieu. Bien-aimés, comprenons bien, c'est pas le temps, c'est vrai, le temps, c'est bon de nous réunir, mais quel est l'objectif que nous visons? C'est pour nous réunir, ça ne sert à rien. Ailleurs, les gens se réunissent aussi. Hein. L'objectif final, là, c'est que chacun de nous fasse partie de ce petit groupe-là que le Père veut mettre de côté pour le royaume. Pourquoi elle a fait dire, venez, c'est pour que le royaume a été rendu. Venez, rentrez dans le repos de votre maître. Donc, ici, l'apôtre Paul nous a montré simplement Papa lui seul, avec Barnabas, comment est-ce que Dieu traite avec ceux qui lui appartiennent. Et donc, parlant du jeûne, donc le jeûne est un moyen pour nous humilier devant Dieu. C'est un moyen d'élever notre foi. C'est l'ami fidèle à notre foi. Et quand on parle de ça, vous devez savoir à quoi s'oppose notre foi. Quels sont les éléments qui combattent contre notre foi? Hein? L'incrédulité. Oui, mais on sait que si tu manques d'incrédulité, si tu as l'incrédulité, tu manques de foi. C'est deux paires. Tu vas de côté, lui va de côté. Ça, c'est clair. La crainte. Oui, ça, c'est aussi vrai. Ça, on en a parlé. Mais nos sens. Nos sens sont les ennemis de la foi. On en parlera. Nos cinq sens-là, les sens que Dieu nous donne là, s'opposent complètement à notre foi. Parce que si les sens ne sont pas convertis, si les sens ne sont pas convertis, s'ils ne sont pas sanctifiés, parce qu'ils ne peuvent pas être sanctifiés si toi tu n'es pas converti. C'est si tu es converti, seulement que ça peut être sanctifié. Vous n'êtes pas converti, mais sanctifié. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un croyant. Et la fin de l'année, j'ai donné les hommes simples. J'ai dit, vous voyez, si tu jeûnes que tu passes à la cuisine, tu sens l'odeur. Ah, si tu n'es pas ferme là, tu rentres là-bas. Qu'est-ce que vous préparez là? Non, on est en train de faire quelques beefsteaks là, on est en train de frire un bon poulet là. Bon, on va poursuivre demain. Attendez un peu. Il n'y a plus de jeûne. Hein. C'est terminé là. C'est terminé, le jeûne a arrêté en même temps. Tu vas nulle part. Tu as arrêté le jeûne. Sans le vouloir, tu l'as arrêté. Et demain là, tu ne vas pas recommencer. Demain, tu ne vas pas recommencer. Hein. Faut pas penser que tu as occupé là, comme ça là, brutalement, demain tu as... Non, c'est pas possible. Demain tu ne pourras pas. On en parlera. On va lire les Écritures pour que vous compreniez qu'on a besoin, de l'Esprit de Dieu pour nous tenir, pour qu'on reste ferme.
On a besoin de patience, on a besoin de maître de soi. Dans le jeûne et dans la prière, on a besoin d'avoir la maîtrise de soi. On a besoin de la patience. Et ça, c'est important. Comme ma soeur Véronique demandait, elle dit, papa, tu nous as promis ça. Tu n'as pas parlé, puis tu nous demandes de jeûner. On peut encore lire quelque chose. Maintenant, alors, là, non, je vous ai dit de garder Matthieu 17 là, non? Donc ici, l'obstacle fondamental à l'exaucement de nos prières, c'est le manque de foi. Le manque de foi est l'élément qui ne nous permet pas de grandir, qui nous empêche de marcher avec Dieu. Le manque de foi. On peut être dans l'église, hein, on peut avoir pris son baptême, tout ça, et puis on a eu un manque de foi. Quand on le saura, c'est dans les circonstances précises qu'on sait si on a la foi ou pas. Alors, et ceux qui ont écouté Frère Madame Soué dit, si vous manquez, si vous avez la foi, vous ne serez pas venu à la plateforme compris pour vous. C'est ça, non? Si vous avez la foi, vous ne serez pas arrivé ici. Déjà, là-bas, là, vous serez déjà guéri. Il y en a effectivement qui ont déjà la carte, mais quand la de prêcher là, déjà, ils ont reçu la guérison. Et puis quand ils viennent sur la plateforme, ils disent, mais tu es déjà guéri, ta foi déjà t'a sauvé. Allez, rentre à la maison. Parce que tu as cru. Tu as manifesté ta foi. Quand tu as vu l'autre qui est assis à côté de toi, Dieu est en train de lui dire ce qu'il est, d'où il vient, quoi que ce soit. Tu as tellement de foi que toi-même là, pour toi, pas en même temps. Mais tu as déjà vu la carte. Tu as venu à la plateforme, certainement. Et quand tu as vu là, il te dit, mais c'est déjà fait. Bon, maintenant, c'est une fois. On va prier ensemble simplement, puis c'est tout. Mais déjà, tu es guéri. Parce que ta foi. Et généralement, c'est ce qui nous arrive. Hein. Beaucoup pensent qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas de foi. C'est devant des situations que vous les voyez trembler de tout leur être. Enfin, c'est tellement grave que, oh là là. Mais je vous ai raconté ce que j'ai vécu avec ce Nigérien un jour, on partait au Cameroun, là, non? Vous dites qu'il a la foi? Il n'a pas de foi. Le plus loin religieux, il sait bien de la vie. Elle me cherche, donc je lui dis. C'est que, ouais, c'est pas. Je partais au Cameroun et on s'est arrêté au Nigeria, on a pris des passagers. Il y avait un jeune croyant, soi-disant croyant avec sa Bible. Et quand il rentrait, il chantait des cantiques. Et puis il avait sa soeur, non pas loin de moi, écoutez-moi. Et puis on est tombé dans une des turbulences tellement forte. Il tremblait comme ça. Et je le regardais. Je vois l'enfant tellement trembler. Puis je l'ai appelé, il dit, mais... Quand il a dit, mais... Ça va être chanter des cantiques, tu as là. Non, ton Dieu là, c'est quand il a appelé ton Dieu est là. Non, ton Dieu, maintenant il est parti. C'est vous qui faites, et puis les gens se moquent des croyants. C'est vous là qui faites, et puis on se moque des croyants. C'est dans des situations comme ça, tu montres aux autres là que ton Dieu est avec toi. Maintenant, tu en es tremblé. Pourquoi? Il me regarde. Je l'ai bien sermonné un peu, et puis je pensais à lui parler. J'ai dit, tu vois, il va à Garoua. Moi, je vais à Douala. Donc, je l'ai sermonné, parler de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à Douala. J'ai dit, bon, moi, je descends ici, mais que Dieu t'accompagne. Mais désormais là, il faut savoir celui en qui tu crois. Souvent on est obligé de parler aux gens hein, pour leur dire, mais écoutez, on est au milieu des gens, nous devons être des témoins de Christ. C'est nous qui montrons que Christ n'est pas vivant, comme ce musulman qui a mis son professeur à mal, en lui montrant que ta psychologie, là, chez nous aussi on en a. Nous on est musulmans, je suis musulman, mais la psychologie faite là, c'est de la psychologie. Allez. Comme j'étais au village vendredi, j'étais là quand les jeunes gens me parlaient d'un entretien qu'ils ont eu avec un prêtre de chez nous, là, au téléphone et tout. Parlait, puis, et il dit, mais pour eux, la Bible c'est vrai, mais la Bible là, c'est pas ça. Il dit, mais attends, si c'est pas ça, quand vous venez à l'église, là, vous lisez ça alors. Donc c'est pour tromper les gens. Il dit, il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs Bibles. Ça là, c'est pas ça. La vraie Bible là, c'est pas ça. La vraie Bible, ça, c'est les gens qui ont traduit n'importe quoi, c'est pas ça. Ah, mais quand vous venez à votre chez la boue, pourquoi lisez ça? Pourquoi lisez pas autre chose? C'est pour ça que quand ils lisent les Écritures, c'est vraiment dans tous les sens. C'est tellement tordu. Et tout. Mais
On trompe les gens, et même savent ce qu'ils font. Et tous me connaissent. Il n'y a pas un qui a eu un jour le courage de dire, Badi, on vient te voir, parce que tu égales les gens, on vient parler de la Bible ensemble. On va parler de la Bible ensemble. Il n'y a pas un. Ils sont pleins chez moi, il y a au moins 5 prêtres dans mon village. Mais personne ne peut. Moi, j'ai parlé avec le candidat Agré. Je lui ai posé 2 questions. Il était venu à Dabré, là. Là, il y a l'église catholique, la plus vieille église catholique. Je suis parti, j'étais au message, jeune dans le message, là, je suis parti. C'est en 78, 79. Il y a de le trouver là-bas. En ce moment, il était pas candidat, il était encore monseigneur. Allez là. J'ai mis chagrin, Marie, comme ça. Quand tu dis Marie, comme ça, il a vu, c'est pas catholique. Tu lui as posé une question. Il m'a rien comme ça. Il dit, tu veux la reprendre à la question? Il dit, tu viens à Abidjan. Il dit, mais quand tu viens à Abidjan, d'accord, je viens à Abidjan. Moi, je viens à Abidjan, fais quoi? Si tu n'as pas la question, si tu veux me répondre, tu es un monseigneur. Tu es monseigneur, c'est que tu connais la Bible par cœur. Si tu te poses une question, tu dois me répondre. Ce que tu fais là, montre-moi dans la Bible où les apôtres ont fait. C'est tout ce que tu demandes. Tu peux me montrer où dans la Bible les apôtres ont fait. Parce que le modèle là, c'est pas toi, hein, c'est toi ce que les apôtres ont fait. Si tu peux me montrer le modèle, alors ça sert à rien. Il m'a regardé jusqu'à. Il dit, bon, tu viens à Abidjan. Et où ça? Il me donne le coin. Il dit, moi, j'ai David. D'accord, viens te trouver. On va faire quoi? Je viens pour que tu me donnes ton démon là, pour qu'il me batte avec lui? Non, non, non. Je viens pas. Je viens pas. Mais tous les jeunes du village, il y en a 5 prêtres dans le village. Quand on a construit les bâtiments là, il y a un qui a dit aux villageois, mais pourquoi vous avez permis, vous avez autorisé qu'on construise une église à l'entrée de votre village? Il y a un catholique qui était assis là. Et lui, son village, c'est Dabré. Le prêtre a sonné, c'est Dabré. Le gars, lui, là, il dit oui. Il dit, dites-moi, chez vous là, c'est pas l'entrée du village, l'église catholique est construite. Blackout. Il ne peut plus répondre. C'est un catholique qui a cité à l'église. Quand il appelle le local, lui a posé la question. Si c'est mauvais de construire là, mais il faut casser ce que tu as aussi à l'entrée du village de Dabré. Parce que quand on vient de Boulon là, c'est à l'entrée de la droite là. Il faut casser ça aussi. Si chez toi c'est bon, pour nous c'est bon. Pas parce que nous on est assis, c'est comme catholique qu'on va te dire que ce que tu dis est correct. Frères, sœurs, apprenons à marcher avec Dieu simplement. Hein? Bon, donc je dis, on revient ici. Ici, là, c'est tellement fondamental, hein, ce chapitre, ces deux versets que nous avons dans Matthieu 17, là. Considérez ça très bien. Alors, il s'approchait pour la question à Jésus. Il lui dit, en partie, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Quelle est la raison qui fait ça? Il veut savoir le pourquoi. Et ici, c'est une notion, on allait chasser à savoir. Mais puis on a chassé plusieurs démons auparavant. On a guéri plusieurs malades. Et puis on arrive devant un là qui nous pose des problèmes. On va chasser à savoir pourquoi. Et ça ne vous arrive pas? Mais si. Les professeurs et les médecins savent bien quand ils ont un élève qui est très brillant. Et puis un jour, il y a une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas trouvé ça? Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ici, les élèves demandent à leur maître, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe? On ne soit pas capable. Que tu sois obligé de venir nous épauler, pour nous secourir. On pense que tu nous as donné tous les secrets. Alors, tu n'as pas donné tous les secrets, il y a des secrets que tu as cachés. Un maître. Il dit non. Il dit, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous manquez de foi. Si vous ne manquez pas de foi là, si votre foi est pure, comme le grain de sénévé, et que votre foi ne peut pas se mélanger, le grain de sénévé, c'est un grain qui ne se mélange pas aux autres grains. Il ne se mélange pas. Donc vous comprenez? Ramenez ça à nous-mêmes. Est-ce que nous nous mélangeons au monde ou à la religion? Parce que c'est le cas, n'attendez pas à avoir une foi pure. Ce n'est pas possible. Les apôtres n'avaient pas la même nature que les autres. Quand je parle de vaseau spirituel, non, non, non. Ils étaient différents. Au point, on ne les reconnaissait pas. Même s'ils sont des pêcheurs de poissons, des ignorants et tout, mais on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. On sait qu'il y a quelque chose qui les différencie des autres.
Ici, Jean dit, les disciples de Jean disent, mais attends, comment se fait-il que nous, les disciples de Jean et les pharisiens, on jeûne et puis toi, tes disciples, ils ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne jeûnent pas? Non, le jeûne est une nécessité. Nous, on jeûne. Pourquoi eux ne jeûnent pas? Ne vous en faites pas. Ils vont jeûner. Pour le moment, c'est votre temps. Et ils vont jeûner. Quand le temps va venir, ils vont jeûner. Vous, on n'aura pas besoin de leur dire d'aller jeûner. Vous, on a besoin de vous dire, c'est la période, voilà la période comme les catholiques font là. Ils ont un temps où il faut jeûner. Les musulmans, ça, il y a un temps où il faut jeûner. Mais le vrai croyant n'a pas un temps. Tous les temps sont favorables pour lui. Il n'a pas de dictat à recevoir de quelqu'un. Pour dire, ah, non, non, non. C'est vrai qu'il peut arriver, moi, comme l'a fait la fois d'un frère, on a un tel besoin d'un frère ou d'une soeur ou de ceci, on va jeûner ensemble, ça peut arriver. Mais la vie pratique, ce n'est pas une vie de moi. Parce que après un mois là, tout le reste, on fait n'importe quoi. Mais le croyant qui sait que ça fait partie de sa vie là, ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux, ce n'est pas un mois, c'est tout le temps il vit. C'est ça, même à la maison. Bon, les enfants vont savoir que tu jeûnes, c'est tout. Quand tu dis, bon, ne me fais plus de table, quand tu vas arrêter, le jour où il y a, tu vas le dire. Tu pousses la bon, demain, achetez-moi ça, 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 je vais commencer à arrêter. C'est tout. On va en arrêter, quand on va parler du jeûne, on va voir comment il faut couper le jeûne, comment il faut commencer à préparer le jeûne. Ça, on ne va pas, je vais pas mettre ça sur la place. Hein. Ça, franchement, permettez-moi de ne pas mettre ça sur la place. Donc, alors, ici le Seigneur nous dit que si nous manquons de foi, il est certain que beaucoup des sujets que nous portons n'auront pas de résultat. C'est ce que ça veut dire, hein? C'est pas seulement ça pour chasser le démon. Beaucoup de sujets. Parce que frère, regarde une chose. Quand il dit que ce type de démon ne sort que par le jeûne, par la prière, ce qui veut dire que si vous ne jeûnez pas, vous cohabitez avec les démons chez vous à la maison. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous cohabitez avec des démons chez vous à la maison. Si vous ne jeûnez pas, vous êtes dans une maison, on ne jeûne pas là. Je vais vous dire pourquoi le jeûne est important. Je vais vous dire ça après. Si vous venez dans une maison où on ne jeûne pas, vous cohabitez avec ces démons-là qui ne peuvent pratiquer pas le jeûne par la prière. Vous cohabitez avec eux. Vos prières seules ne peuvent pas les chasser. Ils ne peuvent pas partir. Et vont rester au milieu de vous pour créer des problèmes, pour créer de la zizanie, pour tourmenter les enfants. Oui. Souvent, il y a des on va prendre les jeunes filles dehors, là, quand ils arrivent là, elles sont pleines de démons. Elles bouleversent toute la maison. Je vais raconter ce qui est arrivé à Frère Jifa au Ghana, là, où la jeune fille a enterré ses trucs sorciers dans la maison. Et c'est un frère qui a vu la sorcière, là, il ne sait pas si c'est un sorcier. Il ne sait pas comment lui aussi, là, il a vécu. Et puis, il dit, mais c'est celle-là qui veut marier. Et puis, la femme lui dit, moi, je suis une sorcière, voilà, voilà. Quand il va dire au frère, on appelle la fille, elle dit, moi je n'ai jamais dit ça. Hein. Ah. Je n'ai jamais dit ça. C'est mensonge sur moi. Il ment sur moi. Vous êtes à l'église. Hein. C'est vrai, il dit, frère, soeur, le fait d'aller à l'église ne dit pas que tu es un chrétien. Il faut être chrétien avant d'aller à l'église. Sinon, beaucoup de personnes à l'église, hein, sans être converties. Et hier, je disais ceci, j'ai dit, vous savez, nous qui sommes venus plus ou moins des religions là, si on arrive de la religion, parce que on a vu que ce que qui a été prêché à cette fin de temps est correct, c'est juste, on vient comme ça là, la religion va s'attacher à nos pieds. Moi, quand j'ai commencé à diffuser les messages de Frère Franck là, son père, lui, il suivait tout le temps avant d'aller à l'église. Mais il y a un monsieur qui est venu à l'église. C'est Frère Isaac qui l'a rencontré, il a dit, c'est vous ceux qui dites la vérité. Je suis venu chercher des livres. Il n'a pas beaucoup de brochures et puis il est parti. Mais il a fait quoi avec? Il a reconnu que c'est la vérité. Il a pris les brochures et il est parti. Il va les potasser, excusez-moi, potasser bien les brochures là. Et puis il va passer à les débiter. On va dire ça, c'est un docteur. Mais qu'est-ce que tu fais, chose? Karambiri. Est-ce que ça arrive, Karambiri là? C'est un ancien frère. Hein? C'est pareil qu'il a converti. Et c'est quand ils étaient dans le même bureau au ministère du commerce, ensemble. Et puis, pareil, parti à chose, en Russie, faire ses études. Il a laissé. Et à son retour, le gars là, mon cher, il a quitté le message. Il a commencé maintenant à être docteur. Les brochures là.
tout ce que les gens ne veulent pas là, il laisse ça tomber. Ce qui contredit les doctrines des autres religions, il les met ça de côté. Il sait que si tu vas avec ça là, ils ne vont jamais te suivre. Mais prends là où ils ont des problèmes d'enseignement. Et ils organisent des conférences qui sont payées. Pour rentrer, tu payes pour aller écouter ces conférences. Moi, j'étais au Burkina, j'étais voir son domaine. Hein. J'étais voir son domaine. C'est un homme vachement aisé. Mais c'est ce que Dieu a donné gratuitement là. C'est ça qu'il vend. Ce que Dieu a donné gratuitement là, c'est ça qu'il vend. Le docteur Karambiri. Mais vous êtes plus docteur que lui. Hein. Parce que je vous dis une chose. Celui qui a l'esprit de Dieu là, comprend mieux ça que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Lui, il regarde souvent la littérature et puis prend. Mon frère Bernard a parlé de ce saut, il va vous démontrer le saut et puis après c'est fini. Mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il va vous prendre les actes de l'église, il n'y a pas de vie. Il va vous prendre il va aller dans la journée, il va vous sortir des. Mais il n'y a pas de vie. Mais vous, ce n'est pas de la lettre dont vous avez besoin, c'est de l'esprit. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc ici, frères et sœurs, là où les gens ne jeûnent pas, les fois où les gens ne jeûnent pas, sachez qu'ils cohabitent avec les types de démons qui ne peuvent pratiquer par le jeûne par la prière. Ça, sachez-le clair. Il y a des choses que vous allez expérimenter quand vous allez commencer à pratiquer, à vivre. C'est pas un jour, frère Franck a dit, jeûner pour mettre un stop aux actions du diable. Mais il y a combien qui ont entendu ça? Il y a combien qui ont lu et qui ont entendu qui doivent le faire? Non. Non. C'est pas que nos églises souffrent là. La raison pour laquelle nos églises souffrent là, c'est ça. C'est ça. C'est le manque de foi. Le manque de discernement, le manque de foi. Et ça tue. Et on souffre. C'est vrai. Donc, pour revenir, frères et sœurs, on va déjà 17h, on va bientôt arrêter. Mais sachez que, comme je vous ai dit, tous les problèmes, quand le Seigneur a dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Tout, rien, regardez bien, rien ne vous sera impossible. Ça passe sur cette montagne. Mais rien, c'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse s'opposer à votre foi, si elle existe. Et alors il dit, mais pour que rien ne résiste à votre foi, le mais là. Si vous voulez que rien ne résiste à votre foi, vous devez accomplir ce qui est après le mais là. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les deux vont de pair. Vous voulez. Attends, compris là. On manifeste sa foi. Quand tu pries, c'est pour que Dieu t'exauce. On ne voit pas. On demande une chose qu'on n'a pas encore. Mais quand Dieu te révèle, parce que la foi est une révélation que Dieu donne, hein, n'est-ce pas? Dieu te révèle que tu l'as. Tu ne peux pas monter ça à quelqu'un. Tu peux dire, mais tu ne peux pas monter à quelqu'un. Prenez le cas d'Abraham. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Il ne peut pas donner ça, il peut pas dire à quelqu'un. Il peut le lui dire, mais la personne, il ne peut pas comprendre. C'est lui seul qui comprend. Parce que Dieu lui l'a dit. Et quand Dieu a révélé ça à Sarah, c'est fini. On peut plus enlever ça du cœur de Sarah. C'est fini. Quand le Seigneur a révélé à Sarah, c'est fini. On peut plus enlever ça de son cœur. Auparavant, c'est Abraham qui lui parlait. Elle pouvait dire, oh, ce disque l'est rayé. Tu m'as toujours récité ça. Ça fait déjà 20 ans, 25 ans, on est dedans. Pardon, faut arrêter ça maintenant. Jusqu'à je suis devenu vieille. On a commencé depuis 65. On est arrivé jusqu'à on a 90. On a 89, tu continues encore. Et puis voilà un autre encore qui arrive là, pour me réciter le même disque. Il dit cette fois, ce n'est pas la même chose, hein, ce n'est pas le même disque. C'est celui qui fait là qui est là. Amen. Sarah, pourquoi tu as ri? Oh, c'est beau, frère, de voir que tu es en face de Dieu. Et que le secret de ton cœur est révélé. Oui. Tu es mis à nu. Amen. Il est caché derrière là-bas. Elle est cachée derrière là-bas. Lui, il est derrière ici. Il dit, mais pourquoi Sarah t'a ri? Abraham, pourquoi Sarah t'a ri? Ah, il a dit, mais non, hein. Il dit, mais si, tu as ri. Tu as ri. Abraham devait comprendre que ce n'est pas le voisin d'à côté. Hein. Ce n'est pas le voisin d'à côté.
Ça, c'est celui qui connaît les pensées et les cœurs. Qui sait discerner les pensées et les cœurs. Vous savez ce que Frère Branham dit? La fois de Julien, il a dit, vous savez, c'est ce qui fait que nous sommes à la fin des temps. Ce qui fait qu'on est à la fin des temps, c'est que ce que Jéhovah a fait avec Abraham, là, il a fait à notre temps. Quand il parle du temps de Lot, en fait, on voit le temps de Lot seulement. Mais on ne voit pas la communion d'Abraham avec l'Éternel qui est venu lui rendre visite. Autant il y a Lot de côté, mais il y a autant d'Abraham et tout ce qui concerne Abraham et les promesses. Nous, nous vivons dans cette période-là. Nous avons ce que Dieu a fait comme il a fait au temps d'Abraham, où les secrets des cœurs sont révélés. On a vu. Il est arrivé au milieu de nous-mêmes, Dieu l'a fait. La soeur qui est décédée, je ne sais plus quoi est son nom, j'ai dit, mais il faut te prêter à rentrer à la maison. Elle a fait son soin, elle est venue, moi je lui ai donné une interprétation, elle a dit, mais il faut t'apprêter à aller à la maison. C'est tout. Et moi, la soeur a dit, oui. Et moi. C'est dit, non. Et dit, oui. Et moi, jour pour jour. C'est la maman d'Armel qui est acheté chez Zola. Et moi, jour pour jour. Et cette même période-là, elle a une camarade, une soeur, amie, qui était à San Pedro. Et à son, on lui dit, ta soeur est prête à aller à la maison, toi, t'as deux de jouer. Elle a rendu ce témoignage à l'église. Il dit comment? Quelle soeur qui est, quelle amie qui est prête à aller à la maison, moi, je suis en train de jouer. C'est quand l'autre est décédé que ça rencontre. Ah, d'accord. Mais Dieu l'aime. Dieu lui dit, tu as tenté de t'amuser. L'autre est en train de rentrer à la maison, toi, t'amuses. Elle est en train de jouer. Il a fallu qu'on lui dise, mets de l'eau dans ta maison, mets de l'eau dans ta vie, mets de l'eau parce que tu vas rentrer à la maison. Quand elle est sortie, elle n'a pas dit à la soeur qui est devant la porte là. Elle ne lui a pas dit. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Elle a demandé quelque chose et elle est partie. Mais elle savait ce qui a été dit. Maintenant, ce qu'elle va dire à quelqu'un, et ça va pas s'accomplir. Moi, Dieu m'a mis sur mon cœur, il dit, ce que j'ai dans mon cœur, que Dieu a mis sur mon cœur, je te le dis, soeur, je ne veux pas passer à côté. Tu vas rentrer à la maison, va à la maison, mets de l'eau dans ta vie parce que tu vas rentrer à la maison. C'est tout. Pas deux choses, pas trois choses. Non. Et si un jour j'ai attrapé quelqu'un qui arrive, et tu es venu pour ça, non? Elle ne peut plus marcher, elle est là, elle est là. Il dit, mais c'est pour ça que tu es venu. Il faut le dire à même temps, attention. Ce n'est pas la peine de parler. Moi, je dis ce que tu sais, tu es venu. Dieu nous connaît. Dieu sait qui nous sommes. Rien n'est caché devant lui. Nous sommes nus. Nous sommes nus, 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 nus. Bien aimé frère, quand vous allez rentrer dans ce que je vous dis là, vous verrez certaines choses. Quelqu'un s'approche de vous, vous allez savoir exactement quelle est la pensée qu'il a. Ça ne vous échappera pas du tout. Il va arriver, si c'est quelqu'un qui vient de faire du mal, vous allez savoir que celui-là vient de faire du mal, vous allez savoir. Ça ne vous échappera pas du tout. Parce que vous êtes en communion permanente avec Dieu. Vous êtes en contact permanent avec lui. C'est pas, on dit que non, c'est une réalité. Le monde bon, surnaturel devient une réalité pour vous. Le monde surnaturel devient une réalité pour vous. C'est quand vous sortez de là que vous dites, attends, est-ce que je peux vivre sans ça? Oui. Vous demandez, est-ce que tu peux vivre sans ça? Tu peux servir Dieu sans ça? Tu ne peux pas servir Dieu sans ça. Parce que ça devient une partie de toi. Mais le diable, sachant, il le cache. Il nous empêche de savoir que c'est un élément très important. Il y a deux facettes dans cette affaire-là. On en parlera progressivement. Peut-être dimanche prochain, on va aborder un aspect. Et puis la dernière partie de la pratique, là, je ne le mettrai pas du tout en ligne. Si quelqu'un n'est pas sur le Zoom, tant pis pour lui. Ça, je vous le dis, vous qui écoutez par YouTube, par chose qui est dans le Zoom, vous êtes déconnecté là. Si vous voulez reconnecter, vous, hein, parce que sinon, vous ne l'aurez pas du tout. Ça, je ne le donne pas. Je le donnerai seulement à ceux qui veulent pratiquer. Ceux qui veulent marcher. Vitien, là-bas, elle a vécu avec moi tout le temps. Elle a vu comment j'ai vécu. Bon. Mais peut-être que je n'ai jamais rien expliqué. C'est la défunte seulement qui savait comment il faut faire. Parce qu'avec elle, on a commencé très tôt. Et je lui apprends comment vous faire. Vous pouvez même la chasser des démons. Ah oui. Un jour, j'étais avec une soeur là, et puis un Rosicrucien qui est venu, qui était, ça ne valait pas du tout. Et puis,
Alors la sœur dit, mais on n'a qu'à appeler le frère. Non, non, non. Elle dit, non, on ne va pas appeler le frère. Nous sommes des chrétiens aussi. La Bible dit, les signes accompagnants, ceux qui en ont cru, on doit prier. Ils ont prié pour la personne qui a dit, la personne est délivrée complètement. Elle dit, tu es un chrétien, tu ne peux rien faire de bien. Ou bien tu restes dedans, tu meurs, ou bien tu vas à la foi. Et au passé, il est venu à la foi. Il est parti. Quand s'est levé, il est parti. On l'a plus vu. Tout. C'est quand elle a commencé à prendre de l'âge que maintenant, quand il y a un problème, elle demande, il faut appeler papa. Il faut appeler papa. Oui, ça arrive, il y a des moments comme ça. Mais elle a vécu une foi pleine, sachant la chose pour laquelle nous sommes là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je pense qu'on est assez, on est parti un peu plus profondément. Demain prochain, on va regarder l'autre partie. Mais vous devez comprendre que, un, c'est un moyen de nous humilier devant Dieu. Trois, c'est un moyen de perfectionner notre foi. Deux, c'est un moyen de perfectionner notre foi. C'est important. Si notre foi n'est pas parfaite, on ne peut rien obtenir. Et le jeûne est un allié puissant de la foi. Après, on va voir comment est-ce que nos sens combattent contre notre foi. Et comment ils combattent par rapport au jeûne. Si ils nous empêchent de jeûner, c'est qu'ils combattent directement notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu pries pour nous. Bien-aimé Père Céleste, que l'honneur et la gloire te soient. Amen. Merci pour ta parole. Mm-hmm. Tu nous as entretenus comme un père parle à ses enfants. Oui. Et nous te sommes entièrement reconnaissants. Amen. Que ce que nous avons entendu, nous puissions réellement l'expérimenter. Et nous croyons que, comme tu nous l'as dit, tu es fidèle. Amen. Quand tu commences, tu l'achèves. Alléluia. Merci parce que ce processus de sanctification, tu vas l'envoyer à terme. Amen. Sois béni pour tout. Oui. Merci pour le canal que tu utilises, que tu as mis de côté, afin que par ce canal, nous y arrivions. Amen. Bénis-le richement. Amen. Seigneur, ce que tu as commencé, achève. Amen. Amen. Prépare-nous simplement à ta rencontre, mais surtout donne-nous d'être obéissants. Amen. De nous humilier à toi, de nous abaisser et de nous attendre simplement à toi. Sois béni, glorifié, exalté pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes heureux. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.